Ouju, arrête la manœuvre, je t'appelle. Amadou, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu déranges ma vie? Oh, Guini, qu'est-ce qu'il y a? Cette question, tu es malade, imbécile, idiote. Je t'appelle, tu me fais comme ça. Écoute, laisse-moi te dire, le roi a dit que vous devez nettoyer proprement ce palais. Parce que son fils, le prince, revient de l'étranger demain. Tu comprends? Tout ce que tu fais, c'est de bouger avec ta hanche là. Et qui t'a dit qu'on n'intéresse pas par ta hanche? Amadi, je t'interdis pour la dernière fois. Laisse mes derrières tranquilles. Je te dis de laisser mes derrières tranquilles. Sinon, tu vas me sentir mal. Qu'est-ce qu'il y a avec toi? Je suis intéressé par tonton Huku. Ta mauvaise hanche. Bien sûr que ça t'intéresse. Je sais très bien que ça t'intéresse. C'est quoi ton problème? Je plaise à Dieu. Tu es la seule servante qui ne travaille pas. T'as pas vu les autres travailler, hein? Pourquoi toi tu ne travailles pas? N'es-tu pas l'une des servantes? Regarde, tu fais comme ça, n'es-tu pas une servante? Respecte-toi, je te dis. Respecte-toi, oh! Hein? Va travailler toi. Écoute-moi. Aussi. Écoute-moi. Si tu as été envoyé dans ce palais pour me poursuivre comme un esprit, tu as échoué. Qui a échoué? Tu as vraiment échoué en ta croix. Allez, va-t'en du servant quand j'avais quand je le disais. N'importe quoi. Regarde, sois idiote. Tu penses que je suis traité par ta hanche là? C'est quelle hanche même? Tu penses que c'est toi ce qui a la hanche? Et tu la tournes devant moi comme ça. Regarde-moi ça, idiote. N'importe quoi. Imbécile! Tu tournes ta hanche pour moi. Ah, va-t'en, je ne suis pas intéressé. Ma chose ne va jamais entrer là-bas. Tu ne peux pas séduire ma chose pas parce que c'est précieux. Ça n'entre pas n'importe où. Regarde-moi ça. Je t'appelle et tu me fais comme ça. Que je te punisse, idiote! Imbécile! Regarde-moi cette fille. Parce que tu as de la hanche. De la hanche. Quelle hanche même? N'importe quoi. Viens ici. Moi? Non, mes ancêtres. Bonjour, madame. Où est le roi? Le roi? Le roi est au salon. Ok, porte les bagages et conduis-moi à lui. Par ici. Ouvre ici. Allez. Avec ma voiture. Suivez-moi. Ouais, c'est ça. Doucement avec mes bagages. J'ai dit doucement avec mes bagages, doucement. Igwe. Oh non. Je pense que notre prince doit subir quelques orientations traditionnelles. Vous devez lui faire comprendre son importance. Il doit maîtriser nos traditions. Au moins connaître notre communauté. Oui, tu as vraiment raison. Puisqu'il a passé toute sa vie à l'étranger, on doit lui montrer notre tradition, la coutume ainsi que les habitudes ancestrales. De telle sorte que quand il va accéder au trône, il ne puisse pas se perdre. Et qu'il soit en bon terme avec le même trône. Voilà, vous êtes en train de parler maintenant. Votre Majesté, cette dame est venue vous voir. Oh, génie, tu es déjà là? Je vous salue, votre Majesté. Bienvenue, ma chère. Bienvenue. Allez, viens me faire un câlin. Sois la bienvenue, merci. Ma fille. Bienvenue merci. Encore. Qui est-elle, Igwe? Oh, désolé, oh non. C'est Jenny.
la future femme du prince. Je l'ai personnellement choisie pour le prince. Elle n'est pas encore l'épouse du prince. Mais elle ne respecte pas les anciens. Alors si elle épousait éventuellement le prince. Ah, Jenny, c'est Léonore. S'il te plaît, salue-les. Salut, salut. Comment ça va? Tu me dis salut. Igwe, moi. Oh non. Salut. Jenny, s'il te plaît, salue-les. Salue-les convenablement, non hein? Mais de quelle manière je devrais encore le saluer? Hommage à vous, Onowu. Hommage à vous, Onowu. Onowu, hommage à vous. Hommage à vous, Onowu. Igwe. Oh non. Je pense que je dois partir. Je pars. Attendons jusqu'à ce que le prince rentrera demain. Oui, à demain. À demain, Onowu. À demain. Tiens donc, tu as l'air si belle. Tu as l'air si belle. Igwe, je suis la femme de votre fils. Ah, arrête ça. Allez, allons dans la chambre. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non. Ah. Personne ne sait que nous sommes ici. Nous sommes ici seuls. Je suis un veuf. Personne ne peut accéder à ma chambre sans qu'elle ne soit invitée. Mais j'ai été vue entrer dans ce palais. Exact. Tu es dans la chambre des visiteurs. Tiens donc. Allez, on y va. Allez. Arrête-moi ça. Il y a de ces choses qui ne changeront jamais dans ta vie. Une fois soldat, toujours soldat. Oh, non. Viens, on part. C'est bon, on y va. Ah, tu m'aides? Oui, c'est pas grave. Oui, allons-y. Vas-y, aide-moi. Ok, je t'aide. Nous voici. Ça, c'est la chambre des visiteurs. Tu seras ici. Pourquoi? Pour le moment. Igwe. Oui? Je suis censée être la future femme de ton fils. Est-ce que ça a changé? Non, rien n'a changé du tout. Tu es toujours la femme du prince. Alors pourquoi tu ne me conduis pas à sa chambre? Ah! Ça, c'est l'endroit où tu seras logé pour le moment. Jusqu'à ce que le mariage aura lieu, tu ne peux pas aller dans sa chambre. Mon roi, je ne sais pas de quoi tu parles et je ne comprends rien à ce que tu es en train de dire. C'est réellement moi, ici je suis la femme de ton fils, alors je devrais être dans sa chambre et non pas dans la chambre d'amis. Tu n'es tout de même pas mariée à lui. Alors tu seras ici jusqu'à ce qu'il revienne demain. Quand il sera là demain, vous deux, vous pouvez aller dans la chambre ensemble. Alors dis-moi, ça te va? Ok, ça va. Tiens donc, un peu de sourire pour papa. Souris, non? Tchou-tchou. Oh, et voilà. Souris. Bon, je veux un peu de sourire pour papa. Souris pourquoi? Souris pour papa. Oh, arrête, mon roi. Oh! Hey. Oh, arrête. Que j'arrête quoi, non hein? Il faut que j'aille prendre mon bain. Non, 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 non. Tu sais que je l'aime beaucoup quand tu n'as pas encore pris ton bain. Oui, quand tu ne t'es pas encore lavé, c'est super. Mais si tu vas maintenant, tu vas laver les ingrédients. Et ça ne sera plus aussi sucré que ça. Allez, mon roi, arrête doucement. Tu vois ce que j'ai dit? Écoute, mon roi, tu sais quoi? Oui. Je vais aller dans la douche, me rafraîchir. J'ai beaucoup transpiré. Je sens encore la chaleur sur moi. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Parce que là où je vais, c'est pour me rendre encore plus soif pour toi. T'en fais pas. Ok. Très bien. Moi, je t'attends. Ok. Tu sais où me trouver en cas de besoin. Oh. Ouais. Oh, tu m'aides s'il te plaît. Oh. Tu m'as appelé, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, je t'ai appelé. Ouais. Qu'est-ce que
tu regardes là? Ah non, c'est rien. Il n'y a pas de problème, c'est rien. Désolé, ma chère, ne sois pas énervée parce que je t'ai appelé. Tu vois tout ce que je te fais dans ce palais et criant sur toi. Oudou ceci, Oudou fait ça, Oudou ce, Oudou. Je n'étais pas sincère. Tout ça, toutes ces choses, ce n'est que sur la bouche. Ça ne vient pas du cœur. Hein? Ça ne vient pas de là. Hein? La seule chose est que. Ok, va droit au but. Pourquoi est-ce que tu m'as appelé? Désolé. La chose est que je vois que tu n'arrives pas à saisir les signaux que je te passe. Je t'envoie toujours des signaux. Et tu vois ces filles dans ce palais qui secouent leurs fesses comme ça. Je ne vois aucune d'elles. C'est toi que j'aime. C'est vrai ce que je te dis. Tu vois, l'amour que j'ai. S'il te plaît, arrête-moi ça. Ça suffit avec ton chant d'amour. Oh! Tu crois que je ne sais pas ce que tu veux, Amadi? Je sais ce que tu veux, c'est ça. Aïe! Ce sont mes derrières que tu veux. À chaque fois que je passe, tu me regardes comme un zombie. Mais écoute-moi bien. Écoute très bien. Mes derrières ici ne sont pas faits pour des pauvres comme toi. Moi, pauvre. Alors, tu n'as qu'à discipliner tes yeux. N'élève pas la face, s'il te plaît. Ça serait mieux pour toi. Bonjour. N'importe quoi. Tu ne peux pas voir mes derrière. Écoute, à bon attendeur. Écoute, la chose est que, s'il te plaît, je ne vais pas perdre le temps. Allons à l'intérieur. Mais je vais seulement insérer dedans vite. Et puis. Tu n'as pas honte. C'est fini. N'as-tu pas honte? Je ne vais pas perdre le temps. Je te dis la vérité. Écoute, tu crois que ceci peut t'appartenir? Hein? Tu te trompes, mon cher. Amadi, c'est impossible. Ça ne peut pas se faire. Pardon, je ne veux pas perdre ton temps. Qu'est-ce que tu veux faire avec cet homme? Et où? Aïe, c'est sérieux. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Aïe. Oh, la fille là. Aïe, va-t'en, idiot. Tu m'as refusé ça, moi? Aïe. Aïe, la fille m'a tué, hein? Elle n'a pas eu pitié du tout. Aïe, je ne peux pas aller au lit comme ça. Ah, le sentiment, c'est trop. Aïe, je suis sorti pour aller me satisfaire dehors. Je ne peux pas aller au lit comme ça. Je dois sortir. Que dois-je faire? Aïe. Tu dors ici, idiot. Ah, viens m'ouvrir le portail. Redis la voix. Où est-ce que tu vas, c'était? Redis la voix, mon frère. Redis la voix. Où est-ce que tu vas? Viens ouvrir le portail pour moi. Regarde-moi ça, idiot. Arrête de dire des bêtises. Regarde le temps. C'est à 7h que tu veux sortir. Okay, regarde. Igwe, maman envoie depuis le matin pour aller voir un membre des cabinets. Mais j'ai oublié. Je viens juste de m'en souvenir. T'as compris? C'est pourquoi je me précipite pour aller voir la personne et transmettre le message. Parce que si je ne le fais pas, Igwe sera fâché contre moi parce que le prince revient demain. Viens ouvrir le portail. Amandi, hein? Ne me crée pas d'ennui. Hein? Où que tu partes, je veux que tu rentres et rassure-toi de m'appeler. Je vais revenir tout de suite. Rassure-toi de m'appeler. Je vais t'appeler avant de revenir. Je vais t'appeler, d'accord? Moi, je n'ai pas de problème. Si je t'appelle, hein?
Je vais t'appeler au téléphone et tu viendras ouvrir le portail. Ah, ah, pourquoi tu parles comme ça, non? Tu n'as pas à m'appeler, juste le frappe je ne veux pas et je viendrai ouvrir. Écoute, quelqu'un t'attend. Ah, ah. Et alors, n'ose plus refaire ce que tu as fait là. Hein. Ne le refais quand plus. Quand je reviens, tu vas ouvrir. Je vais ouvrir mes dents. Ne dors pas. Moi, ne dors pas. Tu ne sais pas, écoute, quand je travaille, j'aime pas dormir. Oh. Je te dis, je tu vois, quand je travaille la nuit, je fais en sorte que mes yeux ne se ferment pas. Jusqu'à ce que j'aurai fini. Ouvert. C'est comme ça que je donc, travaille. Donc, tes yeux étaient ouverts tout à l'heure. Ne considère pas ce que tu as vu. Tel que tu me vois là, je suis en esprit. Je suis un portier. Le portail pour moi. Tu as quoi dans la tête, toi, là-bas? Oh, ne suis pas tout ça. Je sais ce que je te dis. Je suis un portier purement spirituel. Aïe! Voyez-moi cet homme. Ah ah! Pourquoi ces enfants ont l'habitude de déranger les gens comme ça? Hein? À cette heure, il fait tout ce que bon lui semble. Qui est-ce? C'est qui là? C'est moi, ton client fidèle, ton client. Je suis là. Je veux faire. Okay. Ouais. Tu en veux pour combien de temps? Ce n'est qu'au instant ou jusqu'au jour. C'est juste un coup. Un coup, je vais. C'est fini. Juste un. Ouais. Okay. C'est fini. C'est 2000 naira. 2000. Tu dis quoi? 2000 naira. Juste pour mettre et enlever. Mais oui, non, ce n'est pas ce que tu veux. Attends, calme 2000. Est-ce que c'est pour toute l'année? C'est pour toute l'année. C'est sans même. Combien tu l'as loué? Il va te donner 2000. Ce que je vais mettre. Et puis c'est fini. 2000 naira. Pourquoi ça? Te donner 2000 naira. Est-ce que c'est jusqu'au jour? Prends-moi ceci. C'est ce que j'ai c'est à te donner. Quoi ça? J'ai dit que c'est 2000 naira. Tais-toi là-bas, 2000, pourquoi, idiote, imbécile? Te donner 2000 naira. J'ai pris une couille. Est-ce que tu es avec 2000? Te donner 2000, idiote. Tu me prends pour qui? Comme tu me vois ici maintenant, tu penses que je suis un imbécile? Prends 2000 et te donne. Pourquoi? Tu appelles 2000. Tu sais ce qu'il y a 2000? Regarde comment tu l'appelles. 2000, hey, idiote, imbécile. C'est toi, mon. Tu veux pas pour commencer à dire n'importe quoi? Tu veux faire palabre ici? Tu crois que je vais te supplier pour ça? Allez, va-t'en. Pars, je ne veux plus. Attends. Aïe! Hey. Vraiment, qu'est-ce que je vais faire? Tanti, désolé. Pardon. Reviens. Désolé, c'est moi qui suis idiot. S'il te plaît, ne te fâche pas, hein? S'il te plaît, hein? Reviens, ma chérie, hein? Reviens. Je ne faisais que plaisanter, hein? C'est moi qui suis idiot, je suis imbécile. Tu vois ici, il n'y a pas de sens, hein? C'est moi qui suis l'idiot, hein? Donc ne te fâche pas, hein? C'était juste de la pagaille. Je veux d'abord l'argent, sinon je ferme cette porte. Non, la ferme pas, hein? Arrive, j'arrive. Vite, hein? Ne la ferme pas, hein? Voici, 2000, hein? Maintenant, ça marche. C'est comme ça qu'on fait les choses. Ok, allons-y. Aïe. Pourquoi tu me pousses comme ça, idiote, imbécile? À la prochaine. Ah, que tu dis ça? Tu dis à la prochaine avec idiote. Donne-moi l'argent là. Qu'est-ce que je vais le prendre? Je vais le prendre. Tu auras ça. Hein? Regarde-moi ça, idiote.
Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Donne-le mon argent, donne-le moi. Tu veux le faire? Je vais faire. Qu'est-ce que je dirais? J'ai pas fait. Attends. À qui tu fais ça? Je vais te casser la tête maintenant, idiote. Idiote. Et quoi est-ce sous? Regarde ma chose, je disais. Regarde, je disais, mais pas duré. La chose est quoi? La chose est sortie. Hein? Et j'ai perdu 2000 comme ça. Hein? Salote. Aïe, mon Dieu. Aïe. Je vais enlever ça maintenant. Quel doux caleçon, imbécile. Aïe. Amadi, Votre Majesté, où est-ce que tu étais la nuit passée? Mais parle, non, tu ne sais plus parler. J'étais allé voir ma mère. Ouais, parce que ma mère est malade.
Oui, j'ai dû aller la voir parce que ça fait longtemps que j'étais allé la voir. Hey, ma mère, Amand, ma mère est malade. La femme. Tu me dis que tu es malade. Désolé, monsieur, désolé, votre majesté. J'ai dû aller la voir parce que... Ikoué. Où est-ce que tu as passé nuit? Comme je l'avais dit avant, ma mère est malade. Donc j'ai dû aller la voir parce que ça fait longtemps que j'étais allé la voir. Mais ce n'est pas ce que tu m'avais dit, non? Tu m'avais dit que Igwe t'avait envoyé. Ferme-la, ferme-la. La ferme quand même. La ferme, ferme-la, espèce d'idiot. C'est pas toi qui m'a dit. Amadi. Igwe. Où est-ce que tu as passé nuit? Comme je l'ai dit avant, ma mère est sérieusement malade. Mais je ne voulais déranger personne. C'est pourquoi je me suis dit d'aller simplement et puis revenir très très tôt. C'est pourquoi je ne vous ai pas dit, vous ne l'ai pas dit. Hey, Amadi, tu oses mentir? Quel est ton problème? Tu es malade? Je suis malade. Regarde ce que tu m'as fait. Regarde, tu as versé de l'eau sur moi. Tu m'as versé cette eau. Écoute, c'est même peu. J'aurais pris le tonneau entier et le renversé sur toi. Idiot. T'es un menteur. C'est toi qui as fait. Allez, entre. Écoute, fais gaffe. Écoute, je vais me charger de toi. J'ai appris des techniques d'arts martiaux avec lesquelles je peux te battre. Fais gaffe. Tu vas faire qui? À moi. Tu es malade. Idiot. Si tu avais ouvert le portail lorsque je frappais, j'ai frappé, appelé ton numéro. C'est à cause de toi, hein. J'ai frappé, appelé ton numéro. Si j'avais décroché, ceci n'allait pas arriver. Hey! 52 appels manqués. Aïe! Tu vas ta vie, idiot! J'ai frappé toute la nuit. Tu n'as pas ouvert, tu n'as pas décroché non plus. C'est ce matin que j'ai commencé par dormir. Écoute, hein? Les sommets arrivent. Mais t'es un menteur. T'es un mauvais menteur. En fait, si tu m'avais dit ça, je t'aurais couvert. Qu'est-ce que je vais te dire encore? Je t'ai dit que je sortais. Et à mon retour, tu vas ouvrir ça. Tu as dit oui. Regarde, je vais te... Oh, écoute-moi. Ne me source pas de problème, oh. Ne me sous-estime pas, oh. Je vais te taper sérieux. Il n'est pas question de taille, oh. On t'a jamais appris ça. C'est moi que tu cries. Tu vas boire cette eau. Voilà. Amadi. Père, je suis là. Oh, mon fils. Finalement, je suis chez moi, père. Mon prince, sois le bienvenu. Merci beaucoup. Bienvenue à la maison, mon fils. Je me sens bien d'être à la maison. Bienvenue, mon prince. Merci. Bienvenue. Merci, père. Merci beaucoup. Bon retour, mon prince. Comment vas-tu? Je vais très bien. C'est elle? C'est elle, bien sûr. Tu es belle. Merci. Viens m'embrasser. Ah, bien sûr. Tu peux toujours faire confiance à ton père. Mon fils, allons-y. Allons à l'intérieur. Oui. D'accord. Allons-y. Bienvenue. Je me sens bien d'être chez moi. Justement. Ah ouais. Mon ami, comment vas-tu? Je vais bien. Bienvenue, mon prince. Ça va? Père. Père, maman me manque. Maman me manque beaucoup. La mort est une chose à laquelle personne ne s'attend. Père, comment tu t'en sors? Je veux dire, tu es toujours jeune et dynamique. Comment tu t'en sors? Je veux savoir comment mon père gère ça. Un homme doit survivre, non? Père, non. Père, je sais que tu dois avoir une jeune quelque part qui te met à l'aise. Et je suis assez âgé pour connaître la petite amie de mon père. Ou bien? Mon roi, votre repas est servi. Est-ce que le roi et le prince peuvent venir à table pour manger? Ok, on y sera. Ok, monsieur. Fils?
mon fils. Mon prince? Mon fils. Père, qui est-elle? La dirigeante des servantes. La servante en chef du palais. Servante en chef? Oui, allons-y manger, la table est servie. D'accord. Père. Oui, mon fils, je suis très content de te revoir ici au palais. Tu as fait beaucoup d'années à l'étranger. Igwe, j'espère que tu ne te fous pas de ma gueule. J'espère vraiment que tu te fiches pas de moi. Parce que si c'est le cas, moi je vais t'afficher. Je le pense, parce que j'irai dire à tout le royaume et au-delà des frontières ce qui se passe entre toi et moi. Et comment est morte ta défunte femme. Est-ce que je n'ai pas accompli ton souhait? De quoi es-tu en train de parler là? Tu ne sais pas de quoi je parle. Oui? Non, tu me dis que tu ne sais pas de quoi je parle. Ton fils n'est pas sérieux sur l'idée de m'épouser. Et ça, tu le sais. Arrête de faire semblant. Je ne te comprends pas. Comment ça? Comment? Tu ne comprends pas. Parce que tu n'as pas vu comment il reluquait cette servante avec son gros cul, tout juste sous mon nez, sans rien craindre, sans gêne. Il était aussi libre qu'un aigle, prêt à pêcher n'importe quel poisson, n'est-ce pas? Si il voyait en moi sa future femme, il aurait fait plus attention. Hé, Mban, regarde-toi. Parce que mon fils va t'épouser. Il ne va donc plus regarder tout autour de lui, à cause de toi. Hé, Mba, tu ferais mieux d'aller dans sa chambre et les rencontrer, au lieu de rester ici et raconter n'importe quoi. Vas-y! Je n'irai nulle part, Igwe. Je ne vais pas aller dans sa chambre. Je n'irai pas dans sa chambre sans recevoir d'invitation. Si réellement il m'aime et qu'il me veut comme sa femme, alors qu'il me fasse inviter dans sa chambre. Ok, oh. Des bêtises. Imaginez-moi ça, oh. Imaginez. M'insulter, moi, en présence d'une servante. Il se permet de regarder le derrière de cette servante en toute liberté. En toute liberté. Hey! Mon fils, dis-moi la vérité. Est-ce qu'elle te plaît? De qui parles-tu? La femme que je t'ai présentée, bien sûr. Oh, bien sûr, elle me plaît. Oh, très bien. Après tout, elle est la raison pour laquelle je suis là. Très bientôt, crois-moi, très bientôt, on parlera de l'organisation du mariage. Oh, c'est très bien. Alors, peux-tu l'inviter dans ta chambre pour qu'en fait, vous ayez une conversation privée en tant que mari et femme? Je le ferai, je le ferai. Où est-elle en ce moment? Bien, elle est dans la chambre des visiteurs du palais. Ok. Je vais me reposer un peu. Après, je vais l'appeler ou j'irai la voir moi-même. D'accord. Bienvenue une fois de plus, mon fils. Merci, père. La maison est bonne. Oui. Ok, je m'en vais. On est vraiment bien que chez soi. On est vraiment bien que chez soi. Je dois maintenant me reposer un peu. Oh, mon prince charmant. Comment vas-tu? Ça va. J'espère que tu es à l'aise ici. Non. Tu sais à quoi je pensais? Que tous les deux, nous sommes censés être ensemble. Toute la journée. En toute intimité, pour s'amuser et se détendre comme un vrai couple. Ce serait parfait. Donc, tu veux qu'on sorte un peu pour aller se promener dans la ville? Si tu veux. D'accord, j'aimerais bien, mais je ne connais aucun endroit dans la ville. Ne t'en fais pas, je vais te faire le tour de la ville. Cette ville est à nous et elle nous obéit. Es-tu sérieuse? Ouais. D'accord, d'accord. J'arrive, je vais prendre la clé dans ma chambre. Ok.
Hey gars, Amadi, où se trouve ce drôle type? Viens prendre la clé de la voiture. Oh non bébé, on peut aller avec ma voiture. C'est ta voiture? Bien sûr. Tu as une voiture? Ouais. Grande dame. Allez, on y va. D'accord. Naya. S'il te plaît, aide-moi. S'il te plaît, protège ce palais cette nuit. Où est-il? Où est-il, hein? Où est-il? Où est-il passé? Où est-il parti? Les jeunes filles. Les jeunes filles d'aujourd'hui, bravo. Oujou, bravo. Amadi, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Tu n'as pas honte? Tu me demandes là quoi? Tu me demandes là quoi? Ah, bravo Oujou, tu es un génie. Amadi, de quoi parles-tu? De quoi parles-tu, Ogini? Ce que je raconte, tu me demandes ce que je raconte, tu n'as pas honte, idiote. Hein? Écoute, je t'ai vu quand tu étais sorti de ta chambre. Et je t'ai suivi. Et j'ai aussi vu là où tu étais entré. J'ai aussi vu la personne qui était venue et s'est jointe à toi. J'ai tout vu. J'ai aussi entendu comment tu criais. C'est quoi ça? Es-tu malade? Pourquoi tu as pris la main là que tu utilises pour laver la partie là, pour toucher mon nez avec? Pardon. S'il te plaît, ne dis pas au roi, je t'en prie. Que je ne le dise pas au roi, hein? Pardon. Idiote. Pourquoi ne pas le dire au roi, hein? Pourquoi ne pas le lui dire? Donc tu as pratiquement séduit le prince avec ta hanche là, hein? Non, tu allais coucher avec lui, sachant bien que le prince est revenu pour se marier. Amadi, c'est pas comme ça. Qu'est-ce qui n'est pas comme ça? C'est lui-même le prince qui m'a appelé. Tais-toi, mon ami, c'est toi qui l'as séduit. Regarde, la future femme vient juste de quitter le palais et puis tu as profité pour aller coucher. Mon frère, Amadi, je t'en prie. C'est mauvaise. Tu peux détruire le foyer. Le roi doit entendre ceci. Amadi, s'il te plaît, je t'en prie. Non, s'il te plaît. Amadi, moi. Laisse-moi. Amadi, s'il te plaît. Hein? Tu sentais la douceur. Tu es mon gars, non? S'il te plaît. Hein? On va le faire, hein? T'es sérieuse? Maintenant. Oui. Waouh, Dieu, ma chérie. Allez-y. Hein. Mets-toi devant moi. Hein. Touche-moi. touche. Aïe. Thank you.
C'est quoi ça, non? Non. 1, 2, Jésus. Hein? Ça fait 3 jours que j'ai couché avec la prostituée là, sans préservatif. Hey, mon Dieu, qu'il ne soit pas ce que je suis en train de penser, oh. Qu'il ne soit pas que j'ai été infecté, oh. Mon Dieu, hey, mon Dieu, elle a pris 2000 euros, elle m'a pris 2000 euros, mais je ne vais pas trop durer, non. Oh, quand j'ai mis dedans, j'ai pas duré, elle a fait comme ça, puis j'ai libéré. Hein? Oh, mon Dieu, qu'il ne soit pas ce que je suis en train de penser. Hein? Hey! Il n'y a personne. Personne m'a vu. Tchèque! Hey! Aïe, aïe, aïe. Oh! Le prince va rendre visite à sa belle famille aujourd'hui. D'accord, Igwe. Ils vont utiliser les jeeps royales. Ok. Je veux que tu prépares 3 servants royales. Et 3 servantes royales. Pour voyager avec eux jusqu'à cette communauté. Est-ce que tu vas bien? Ouais, ouais, je vais très bien, très bien. Amadi. Igwe. Prépare 3 servants royaux et 3 servantes royales pour qu'ils fassent partie de la délégation au cas où il y a une nécessité quelconque pendant ces déplacements. Tu es sûr que tu vas bien? C'est très bien. Va au magasin. Et prends 2 sacs de riz. 3 sacs de sel. 2 grands galons. Amadi. Désolé, votre majesté. Tu as dit que tu allais bien. Très bien, il va très bien. Amadi, va au magasin. Prends 2 sacs de riz. Ok. 22 bottes d'igname. 3 sacs de sel. Et prends 2 grands galons d'huile végétale. Ok. Et 2 cartons de toutes sortes de provisions que tu vas trouver là. D'accord? Oui, monseigneur. Allez, exécute. Mon Dieu! Je peux déshonorer quelqu'un. Je peux déshonorer quelqu'un. Ceci peut tuer quelqu'un. C'est à la fois doux et douloureux. C'est quoi ceci? C'est vraiment. Oh,
comment s'est passée la visite à la belle famille? Ils étaient très heureux de me voir. Et ils t'ont envoyé leurs salutations. Ils disent que nous sommes libres de fixer la date du mariage traditionnel quand bon nous semble. Une fois qu'on a fixé la date, ils sont prêts pour nous. Oh, c'est la moindre des choses. Alors pourquoi on perd du temps? Nous devons fixer une date le plus vite possible. J'ai besoin d'un peu de temps, père. Temps pour quoi? Je viens juste de rencontrer la fille en question, donc j'ai besoin du temps pour la connaître. Je dois connaître comment elle se comporte quand elle est en colère. J'ai besoin de savoir avec qui je me marie. Je dois bien la connaître avant de faire d'elle ma femme. Mais c'est quelqu'un pour qui tu as été voir les parents et tu leur as dit que tu vas épouser leur fille. Pourquoi perdre du temps? Même si c'est sa père, j'ai besoin de temps parce qu'un engagement brisé est mieux qu'un mariage brisé. Non, pas dans ce cas. C'est une fille que j'ai choisie pour que tu puisses épouser. C'est mon choix pour toi. Tu dois l'épouser. Même si c'est sa père, j'ai besoin de temps parce que l'éternité est trop longue à passer si on fait une erreur. Excuse-moi, père. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Comment a-t-il soudainement commencé à demander du temps? Et surtout qu'il s'agit de quelqu'un qu'il a dit aimer dès sa première vue. J'espère qu'il n'essaye pas de la rejeter. Non, jamais. Pas après avoir vu ses parents. Non, je ne peux pas permettre ça. Cela ne peut pas arriver. Jamais. Alors, Igwe, oui. Je pense que c'est ce qu'on doit faire. Ok, je ferai exactement ce que tu as dit. Je ferai ça. Vous avez intérêt, en tout cas. J'espère que tout va bien. C'est à moi de te poser cette question. Oh non. Oui, Igwe. S'il te plaît, peux-tu me permettre de résoudre des problèmes de famille? Pas de problème, Igwe. Pas de problème. Igwe, maintenant il va falloir que tu parles pour me dire ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas ce que tu dis. C'est donc ça ton plan avec ton fils? Igwe, c'est donc vraiment ça ton plan avec ton fils? Hé hey. De quel plan es-tu en train de parler là? Oh, épargne-moi ça, Igwe. Arrête de faire semblant comme si tu ne sais pas de quoi je parle, parce que tu sais de quoi je parle. J'espère que tu n'as pas soudainement oublié le fait que je sois ton roi. Fais attention à la manière dont tu me parles. Oh, qu'est-ce que tu me feras, Igwe? Tu me tueras? Vu que c'est ce que tu sais faire de mieux. Arrête! Je dis arrête, maintenant! Certes, je ne sais pas encore à quel jeu ton fils et toi êtes en train de jouer. Mais ce que moi je tiens à te dire, c'est que je vous tiens tous les deux à l'œil. Bonne journée, Igwe. Arrête-toi là et ne bouge pas d'une semelle. Laisse-moi parler à mon fils. J'en ai pour un instant.
qu'est-ce qui se passe au juste? Comment le roi peut devenir aussi faible en présence de cette fille arrogante? Je pense qu'elle est plus que sa belle-fille. Oh oui! Il y a quelque chose qui se cache. Et peu importe, ça doit se savoir. Qu'est-ce qui ne va pas entre toi et ta femme? Père, avec tout le respect que je te dois, elle n'est pas encore ma femme. Et je veux que ça soit clair. D'accord. Quel est donc le problème? Père, j'ai besoin de temps pour étudier cette fille. Ouais. Je l'ai fait sortir et je suis déçu, je dois l'avouer. Il n'y a rien que j'apprécie d'elle. Elle manque l'éducation de base. Elle n'est pas une fille qui peut faire le foyer. Elle n'a même pas la peur de Dieu en elle. Tu comprends? Mais tu as dit qu'elle te plaisait la première fois que tu l'avais vue, n'est-ce pas? Ouais. C'était avant que je la fasse sortir. Aller voir ses parents. J'ai découvert que son personnage n'a rien à voir avec ce que tu m'as dit. Elle manque d'éducation de base. Elle n'est pas une fille qui peut faire le foyer. Elle n'a même pas la peur de Dieu. Est-ce que quelque chose a mal tourné? Beaucoup de choses ont mal tourné, père. Beaucoup de choses. Oh, c'est ainsi. Oh, je suis désolé. Tout s'est presque produit très vite. J'en suis tellement désolé. Très désolé. Mais ce n'est pas une raison valable pour la rejeter juste comme ça. Père, je ne l'ai pas rejetée. Tout ce que je demande, c'est plus de temps. Pour être sûr que je ne fais pas l'erreur de ma vie. Rappelle-toi, l'éternité est trop longue à passer si on fait une erreur. En fait, sens toi à l'aise avec elle, ok? Au moins, invite-la dans ta chambre. D'accord? D'accord, si tu le dis. Prévenu à plusieurs reprises de ne vouloir toujours pas contrôler les gens. Tu es censé être une épouse humble et non le genre de femme que tu es. Il est en train de se plaindre complètement par rapport à quelques actes et ton attitude envers lui. C'est donc pour ça que soudainement tu as commencé à m'éviter comme la peste? Il faut que tu changes. Je lui ai promis que tu vas changer. Je lui ai promis que tu vas changer. Si tu ne t'appliques pas et qu'il change de décision, tu ne t'en prendras qu'à toi-même, pas à moi. Oh, je vois. Alors, tu peux aller le rencontrer dans sa chambre. Il t'attend là-bas. Merci, Igwe. Vas-y. Mon aime. Que veux-tu que Djaraouré fasse pour toi? Homme sage. Je t'écoute. Je travaille au palais. Es-tu sérieuse? Oui, en tant que servante. Yeah. Il y a quelque chose que j'ai remarqué. Comme quoi? Lorsque le prince était arrivé pour épouser la femme que le roi avait choisie pour lui,
J'avais vu la façon dont il m'avait regardé. Hey. C'était vraiment certain qu'il m'admirait. Le prince est tombé dedans. Et j'ai des pressentiments qu'il m'aime. Es-tu sérieuse? Et pour le confirmer, il m'avait invité dans sa chambre la même nuit. C'est ça. Et il a fini avec toi. Tu sais. Hein, quoi? Je ne sais pas, dis-moi. On l'avait fait. Hey! Et depuis là, on continue à le faire. Je vois. J'imagine juste, hein? Le problème est que... je suis ici pour que tu me donnes quelque chose qui va faire qu'il oublie cette fille et m'épouser. Tu ne veux plus le partager? Hein? Hein? Vous avez entendu votre fille. Avant, elle partage le prince avec une autre. Tu as dit que vous faites ça déjà. Et maintenant, elle le veut pour elle seule. Adogun. Ça va. C'est déjà fait, hein? Hey. Yeah, vite fait même. Hey. C'est ça. Je te l'assure. Tu vois cette huile? Le seul endroit où tu peux trouver cette huile est Babylone. Mm. Mm. Et c'est la même huile que Jézabel a utilisée pour charmer Achab. C'est ce que disent les chrétiens. Mais celle-ci, si je te dis d'aller l'utiliser comme ça, il te faudra 10 ans avant que ça ne marche. C'est ce que tu veux? Tu veux que ça soit vite, non? Je suis dans le domaine, non? Je connais tout ça. Comme ça, ça ne va pas leur marcher. Mais de quoi parles-tu? Les dieux sont sages. Tu ne le sais pas? Ah, quand on dit que les dieux sont sages, que penses-tu? C'est vrai ça? Hé, ils sont sages, hein? Ils sont sages. Hein? Mais ceci appartient à mes dieux qui sont ici. C'est pourquoi nous avons ajouté à ça un peu de djedi-djedi. Ça est dedans, afin que ça travaille vite, vite. Ok. Donc, prends ça. Frotte-le sur ton truc. Et laisse le prince de te pénétrer. Une fois qu'il l'aura fait, avant que tu n'ouvres ta bouche pour dire « mort », il est déjà chez toi au village avec le papier de mariage. Tu seras celui qui va lui rappeler, au gars, on n'a pas encore fait le mariage traditionnel. Sérieux? Prends ceci. Hé, donne alors. C'est tout. Donc tu veux dire, avec ça, le prince sera le mien? Ne te regarde plus comme ça. Prends-toi comme une princesse. Hey! Homme sage. Merci énormément. Hein? Merci. Hey! Oh, j'ai parlé. Ah! Oh! Si je te le permets, tu vas te lever et partir? Aïe, les enfants s'amusent vraiment. N'oublie pas de revenir faire un geste quand ce truc commencera pas à fonctionner. Hein. Homme, ça, tu n'as aucun problème. Tu veux revenir. Es-tu sûr? Tu veux venir. Tu veux venir, t'inquiète. Si tu ne respectes pas ce que tu viens de dire, ne reviens pas ici pour me blâmer. Hein. Sinon, les dieux oublieront ta mission. Hein. Homme, ça, oui? Sois calme. Laisse-moi voir ça d'abord. Non? T'inquiète pas, ok? Je vais gérer ça d'abord. Au revoir, merci. Jéhovah, je dis Jéhovah, les dieux sont sages. Les dieux, ils sont sages. Et vois tout. Quelle est cette petite? Comment je ferai pour la voir? Oh Dieu! Mais Dieu, désolé. Vous l'avez vu?
sache. Le sort que tu m'as prescrit a marché. Ça, je le sais, tu n'as pas besoin de me le dire. Et le roi a forcé son fils à m'épouser. Remercions les dieux. Et le prince a accepté de m'épouser. Mais tout soudainement, il a commencé à perdre de l'intérêt pour moi à cause de mon caractère. Homme sage, s'il te plaît, je veux que tu fasses un truc. Je voudrais que tu renforces ce que tu avais déjà fait avant. Hein? Que ce soit lui-même qui insiste pour se marier tôt. Ma fille, laisse-moi te conseiller. Tout pouvoir appartient à Dieu. Tout ce que nous faisons ici, c'est entre nous. Mais la personne qui a le vrai pouvoir, c'est Dieu. Et quand il soutient ce que nous faisons ici, tout ira bien. Si on t'a fait un charme et tu l'accompagnes avec un mauvais caractère, tu ne trouveras pas l'homme qui va t'épouser. Hein? Est-ce que tu me comprends? Tu écoutais cette chanson? Cela veut dire un bon caractère vient avec une femme. Est-ce que tu me comprends maintenant? Sinon, Dieu ne te donnera pas un mari. Hein? Merci. Laisse-moi leur parler. Qu'est-ce qu'il y a? Ojarakbaria! Votre fille est ici une fois de plus. Ça, c'est un retour en force. Mais, mauvais caractère. De la même façon que Jézabel l'a fait dans la Bible. Qui Jézabel a marié? Jézabel, est-ce que c'est Nebuchadnezzar qu'elle a épousé? Et qui a été méchant? Cette fille, dans la Bible, le même mauvais caractère, c'est ce qu'elle a. Hein? Elle est venue pour... Qu'est-ce que tu as dit que tu voulais? Il y a mon caractère. Rang. Mais je veux qu'il renforce ce qu'il avait déjà fait avant. Oh, Jaragere, elle est de retour pour qu'on renforce le travail qu'on a fait avant. Mais elle doit abandonner le mauvais caractère. Hein? Je ne soutiens pas les mauvaises choses. Dieu aussi, elle connaît la vérité. Oh. Ah, ça aussi, il me faut un bon caractère. Je veux un bon caractère. Donnez-lui un bon caractère. Dis Amen. Il sait. Donnez-lui un bon caractère. Il sait. Donnez-lui un bon caractère. Il sait. Oh, dis que gars, on a galo. Est-ce que tu m'entends? Bien sûr. Tu vois cette huile? Le seul endroit où tu trouves cette huile, d'où on nous livre ça, c'est Jérusalem, Israël. C'est l'huile sainte. Donc, quand on amène ça ici, nous ajoutons nos propres potions à ça. C'est très puissant. Hein? Parce que si on ne travaille pas ça très bien, ça va prendre beaucoup de temps. Peut-être 3 ans avant de commencer pas à fonctionner. C'est ce que tu veux? Tu veux que ça soit le plus tôt possible. C'est pourquoi on a ajouté un peu de gogorigore. Utilise cette huile. Frotte ça sur ton djanvori. Frotte ça. Tu fais allusion à quoi au juste? Ikunani. Oh mon Dieu. Frotte ça là-bas. Et fais l'amour avec lui. Après lui avoir fait l'amour. Avant même que tu n'ouvres la bouche. Bam. Il est déjà sous ta commande. Qu'est-ce que tu dis? Il va même... payer ton mariage en oubliant qu'il a payé. C'est toi d'ailleurs qui vas lui rappeler du mariage traditionnel. Merci, oh, merci beaucoup. Ouais. Tu es vraiment... Bien sûr, tu sais. Ce que nous faisons ici est le travail de Dieu. Hein. Attends, je dis que je devrais introduire ça, que je devrais l'enfoncer en moi. Ce que Ojarogora a dit est de frotter ça. Tu vois comment on frotte ça autour avant? Mais tu es une petite. Hey, est-ce que je suis obligé de tout expliquer? Thank you.
pas besoin de retourner. Tu n'as pas besoin de retourner. Je t'ai déjà vu. Moi? Non, c'est moi. Ami. Jeune fille. Ami. Jeune fille. Je t'ai venu voir mes habits sur les fils. Tu sais, je les avais lavés très tôt matin. En fait, je n'ai pas retrouvé un parmi les habits que j'avais lavés le matin. Je t'ai entendu. Tu voulais vérifier tes vêtements. Un de tes vêtements. Tu veux voir si ça fait partie de ceux que tu avais lavés. Ah, mon Dieu. Non, non, c'est pas ça, amour. J'avais lavé ça. T'as lavé. Tu ne m'avais pas vu laver les habits le matin. Je sais. Tes vêtements. Tu veux aller voir le prince. Moi? Moi. Mon ami, vas-y, comme d'habitude. T'inquiète. Tu es couverte. Ami. Mon gars. Tu es le seul et l'unique. La couille avec le prince. Yaku, la couille avec le prince. Mon gars. T'inquiète, hein? Laisse-moi partir et revenir. Je reviens pour toi. Amour. Vas-y et reviens. Je suis ici. Vas-y. Je suis ici. Tiens. Cette fille m'a donné la gonorrhée. Oh. Cette gonorrhée est un idiot. Plus ça démange, plus c'est dur. Genre de pète comme ça. Non. L'huile. Je dois aller me laver. Je me sens très mal. Que se passe-t-il? Quelle est cette maladie? D'où vient-elle? Hey, l'Afrique sera toujours l'Afrique. Hein? Qui m'a donné cette MST maintenant? Je suis sûr que c'est Ojo. Ojo est une fille sauvage. Je sais que Ojo. Non. Jennifer n'est pas non plus une innocente. Qui m'a fait ça? Oh.
Père, que se passe-t-il? Hein? Que fais-tu seul ici? Rien du tout. Tu ne peux pas me dire ça. Tes mains étaient dans ton pantalon et tu grattais dur à cet endroit. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, ça... ma petite culotte était... trop serrée, voilà. Alors j'essayais de l'ajuster. Es-tu sûr? Oui. Es-tu sûr, papa? Je sais pourquoi je te demande. Es-tu sûr? Je suis sûr. Mon prince, après que tu m'aies fait follement l'amour cet après-midi, tu vas définitivement devenir mon esclave. Père, je vais aller voir quelqu'un en ville. Ok, tu vas rentrer aujourd'hui? Oui, je reviendrai bientôt. Salut mon prince charmant, ça va? Comment était ta nuit? Ok mon prince, j'espère que tu as passé une bonne nuit. Tu ne m'as pas informé que tu arrives. Est-ce qu'il me faudrait une permission pour rendre visite à mon futur mari? Ouais. Même si tu es ma femme légale, tu ne peux pas faire irruption chez moi. J'étais sur le point de sortir. À plus. Mon prince! Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que tu vois ce qu'il vient de... Apaise-toi. Ok. Il avait raison. Oui. Tu aurais dû l'appeler d'abord avant de venir ici. Igwe, donc je dois appeler mon propre futur mari avant de le rendre visite chez lui? Est-ce que c'est vraiment ce que tu es en train de dire? C'est ça? Je ne comprends pas. Igwe, tu dois lui parler. Il faut vraiment que tu lui parles parce que je ne comprends pas pourquoi cette fois-ci encore tu le soutiens. Ok. Parle-lui. C'était quoi ça? Ah, Igwe, c'est rien. Faut que j'aille dans la chambre d'amis. Je vais dans la chambre d'amis. Très bien. Ah, vous allez me tuer dans ce palais. Aïe! Oh, merde! Merde! Cette huile me gratte! Mais qu'est-ce qui m'arrive? Oh maman! Je dois verrouiller la porte. Je dois la verrouiller. Oh mon Dieu. Amadi,
Amadi? Amadi? Mon prince. S'il te plaît, Amadi? Oui, mon prince. Où est-ce que je peux trouver? J'ai besoin d'un bon docteur. Y a-t-il un quelque part ici? Un bon docteur. Non. Pourquoi ne pas essayer le docteur de la famille? Docteur de la famille? C'est un docteur très compétent. Où se trouve son bureau? Son bureau, ok. Est-ce que tu vas bien? Oui, je vais bien. Il n'y a pas de problème. Où se trouve son bureau? Je vais aller chercher sa carte. Fais vite. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Dépêche-toi. Mon Dieu, tu vas me déshonorer un jour. Où se trouve ce bon à rien d'imbécile? Amadi! Toi, viens ici. Salut. Va dire à... Tu n'as pas besoin de me... Va dire à Amadi que je l'attends. Oui, mon prince. Dépêche-toi. Mon Dieu! Non, continue ce que tu faisais. Va-t'en, c'est toi, idiote. Idiote, qu'est-ce que je fais? Continue quoi, idiote. T'as vu quelque chose? Non, je n'ai rien vu. Ok. C'est que la chose est que... Garde des explications pour toi-même. Le prince a besoin de toi. Le prince? Hey! Dis-lui que j'arrive, vas-y, j'arrive. Oui. Amadi, où est cet imbécile? Amadi, mon prince, tu m'as fait attendre. Oh, désolé, prince, je suis désolé, sérieux. Vous imaginez? Je cherchais la carte partout. J'ai fouillé. Je suis sûr que je l'ai gardée. Je l'ai gardée dans l'armoire. Je vous dis. J'ai fouillé. Hein? Pourquoi tu danses comme ça? Non, rien. Tout va bien? Non, je veux. Alors, pourquoi tu danses? C'est la carte. Hein? Mon ami, disparais-toi de moi. Reviens ici. Où est la carte? La carte? Oui. Ah, ok. Prends la carte. Tu es un clone. Dégage-toi d'ici. Je dois vous examiner pour savoir ce qui vous dérange et vous soumettre à un traitement immédiatement. Tu dois faire ça aussitôt que possible. Qu'est-ce que tu as besoin pour l'analyse? Juste votre sang et urine. Peut-on commencer ça tout de suite? Bien sûr. Je vais appeler les laboratins pour vous prélever. Immédiatement. Merci. Bienvenue. Mon prince, hein?
Vos résultats sont là. Alors c'est comment? Ça dit quoi? Vous souffrez des trichomonas. Quoi? C'est pas si grave. Ça se traite vite. Je vais vous donner quelques médicaments pour rentrer avec. Si vous respectez la prescription, dans moins de 2 semaines, vous allez être complètement guéri. S'il te plaît, fais ça immédiatement. Je le fais maintenant, mon prince. Ah, je reviendrai à vous. Hey! Oh, Seigneur, 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 Seigneur. Oh, qu'est-ce que je suis partie m'appliquer? Et pourtant, je me suis lavé là-bas plusieurs fois, mais ça continue à me piquer. Yo, 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 yo. Hey, Seigneur. Oui, mais qu'est-ce que je suis allée m'appliquer? Pourtant, je me suis lavé plusieurs fois. Ça gratte toujours à vous. Hey, maman, oh. Ah! Ça va me tuer. Oh, oh. Qui est là? Entrez. Ah, mon roi. Jenny. Ouais. Qu'est-ce que tu étais en train de faire ici depuis tout ce temps, toi seule? Je ne fais rien, mon roi. Je suis ici, j'attends le retour du prince à la maison. Ça fait plus de 3 heures. Que tu étais ici, toi seul, dans cette chambre. Oui, tu as raison, mon roi. Tu as raison. Je dormais. Je viens de me réveiller. Mais est-ce que le prince est de retour? Je veux dire, mon amour est là? Non. Ok, mon roi. Hey, oh, oh, oui, qu'est-ce que je suis partie m'appliquer? Il faut que ce mariage approche vite pour que ça s'arrête, parce que sinon... Oh, maman... C'est sérieux. C'est sérieux, mais je veux pas qu'il renonce à ce mariage. Ne te désintéresse pas de moi, oh. Ah, Chimo, je suis morte. Oh, oh ma chère, c'est vrai ce que tu me racontes? Ah non, Dieu, c'est quoi ça? C'est ne me raconte pas ça, ma chère. C'est pas vrai. C'est quoi ça? Hein? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ici? Rien. Comment tu dis pas rien? Regarde-moi sa bouche, idiote. Rien ne... Hein? Vous, les filles, là, la seule chose que vous savez faire, c'est le commérage. Qui c'est celui ou celle que vous êtes en train de déchirer ici? Ka-ka-ka-ka-ka-ka! Idiote! Au lieu de vous concentrer sur ce qui vous a amené ici, jamais! Maintenant, allez, quittez ici, allez vous occuper de vos travaux. Hey, où est-ce que tu vas? Je vais te gifler maintenant. Hey, toi, reviens ici. Reviens. Ouais, que veut dire oui? Que veux-tu dire par oui? Je dis oui. Je vais te gifler maintenant, idiote. C'est quoi oui? Tu me demandes oui? Qu'est-ce que tu lui disais? J'étais en train de lui raconter des histoires que ma grand-mère me raconte. Quel genre d'histoire? Quel genre d'histoire? Quel genre d'histoire? Tu lui racontes l'histoire que ta mère et que ta grand-mère t'a racontée, idiote! Hein? C'est pourquoi elle riait comme ça, comme si quelqu'un qui... C'était comique. Tu veux l'entendre? Non, qu'est-ce que tu veux que j'écoute, idiote? Et ne me regarde pas, quelle histoire que tu me racontes. Es-tu sûr? Oui, c'est vrai. Es-tu sûr? Es-tu sûr que tu lui racontais l'histoire que ta grand-mère t'a racontée? Ou bien tu lui parlais de moi? Parce que lorsque je venais, et quand j'ai entendu... Je te regardais. Je t'ai entendu mentionner mon nom. Parce que j'ai vu quelque chose comme Amadi. Et ça, c'est Amadi. Ah, tu lui Amadi. Parlais de moi. Amadi, tu pensais à quoi même? T'inquiète, on ne parle pas de vous.
Je t'ai demandé de raconter autre chose. Es-tu sûr? Oui. Es-tu sûr que tu ne lui parlais pas de moi? Ok, tu peux maintenant partir, hein? Vas-y. Va-t'en, 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 idiote! Mon Dieu, ceci devient pire au jour le jour. Je dois trouver une solution à ça avant que ça ne me dénigre dans ce palais. Aïe! Aïe! Oh mon fils, tu es de retour? Oui, père. Bienvenue, qu'est-ce que tu as dans ta main là? Je suis allé chercher quelques médicaments. Oh, ne t'en fais pas. J'aimerais qu'on parle d'un truc. D'accord. Ça concerne ta future femme. C'est comme si tu ne l'aimes plus. Oui, père. Je suis déçu par le genre de fille que tu m'as choisie. Elle n'a rien d'intéressant. Elle est tellement imbue d'elle-même. Elle est arrogante. Elle est orgueilleuse et insolente. Elle n'a pas les qualités requises pour être ma femme. Je me demandais pourquoi tu l'avais choisie pour moi. Mon fils, apaise-toi d'abord. Peut-être qu'on en parlera une autre fois. Je peux voir que tu es vraiment en colère envers elle. Je préfère qu'on en parle une autre fois. Elle n'est pas qualifiée pour être ma femme. Je rentre dans ma chambre. Très bien. On en parlera une autre fois. Je le savais. Je l'avais vu venir. Je savais que tu allais me doubler après avoir couché avec moi, c'était sûr. Quand je pense que j'ai dû coucher avec le père et le fils juste pour le même problème. Quelqu'un peut t'entendre. Eh bien, ils n'ont qu'à m'entendre. Ils n'ont qu'à m'entendre, Igwe. Ils n'ont qu'à m'entendre. Je peux plus garder silence. Je peux plus. Je peux plus garder silence. Je peux plus. Mais toi, Igwe, tu vois ton fils là? Il doit me marier. Il doit me marier, hein? Sinon, je vais dire au royaume entier ce qui s'est passé entre ça toi. Suffit. Ça suffit. Ça suffit. Vas-tu arrêter cette bêtise? As-tu perdu la tête? As-tu perdu tous les éléments du respect pour un roi? Un mot de plus et tu verras. Laisse-moi entendre un seul mot de ta part. Que s'est-il passé? Je ne t'ai pas vu la nuit dernière. Oh, je suis désolée. Je dormais.
C'est mauvais de faire entendre un prince la nuit. Ne me fais pas attendre encore. Je sais. Je sais. Je suis désolée. À ce soir. Hey. Viens, Jonas. Jonas. Amadi. En tout cas, la manière dont tu marches, ne me dis pas que tu as pris la démarche des je top modèles. Je comprendre. Jonas, tu vois, chaque fois que tu vois les filles là, ces filles là, qui vendent à dos, tu vois une d'elles passer. Appelle-la pour moi, s'il te plaît. Appelle-la pour moi. Amadi. N'est-ce pas ces femmes qui vendent souvent les médicaments traditionnels? Ouais. Quel genre de femme tu veux non, alors? Non, c'est pas comme ça. N'importe quand tu vas une gueule, stop la personne, pam, et tu m'appelles. Je n'ai même pas à t'appeler. En fait, si tu entends juste leur voix, tu sauras. Parce qu'elles chantent comme de la musique. Abo, 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 abo. Tu vas juste les entendre et tu vas sortir. Pas de problème. Quand tu les vois, appelle-moi, d'accord? Appelle-moi. Oh. Amadi, je ne te comprends pas. Regarde tout ça, tu n'as pas compris. Arrête, appelle-moi seulement. Amadi, Okumozo. Ah, pourquoi Amadi marche comme ça? Ça, c'est quelle démarche? Ah! Amadi... Hey! Au Nigeria, on ne les cherche pas. Abo, Aziza, elles passeront d'ici là, tu vas les entendre. Abo, Abo, viens. Abo. Ah, tu m'as appelé? Pardon, je n'ai pas entendu, j'arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Les gens qui vendent n'entendent pas. Désolée, je n'ai pas fait exprès. Viens. Ah, tu veux que j'entre? Oui, entre. Ah, ok. Mais c'est qui veut acheter? Non, c'est pas moi. Laisse-moi appeler la personne qui les cherche, ok? Juste reste là et attends-moi. Ne sors pas haut. Ne sors pas, s'il te plaît. Vous voyez ici? Je pense que ça ira mieux ici. Vous voyez? Justement là. Exactement là. Oh, ici. Voilà, ici. On arrange très bien ici. On peut les mettre ici. Voilà, ici. Mais ça regarde de l'autre côté. Bien, je vois. Une grande statue doit être ici. Alors, cette statue représentera... Ça va représenter une spécialité dans la royauté. Je vais bien analyser les trucs. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, pas moi. Où est Jonas? Il est allé appeler quelqu'un pour acheter. Jonas! Amadi? Amadi? Soyez focus sur ce que vous faites. Ah, vous aimez juste regarder. Concentrez-vous sur votre boulot, hein? Occupez-vous de vos affaires. Amadi? Jonah! Pourquoi as-tu abandonné ce portail? Combien de fois dois-je te prévenir de ne jamais laisser cet endroit pour quoi que ce soit? Igwe, c'est Amadi. La ferme. N'est-ce pas toi qui m'as dit que si jamais je vois cette femme que je t'appelle? Tu es qui? Tu es c'est qui? Toi. Tu veux mentir? Amadi, te frappe ne fais ici. Pas ce que je n'aime pas. Fermez-la.
libérez cette femme et laissez-la quitter cet endroit tout de suite. Oui, monsieur. Madame, donne-moi pour le paludisme. Désolé. Mot de tête. Dis-lui ce dont tu as réellement besoin. Va-t'en, c'est qu'est-ce que tu es un idiote. C'est quoi tout ça? Madame, désolé, donne-moi l'artisan pour les mots de tête. Attends. Et aussi le paludisme, et la fièvre. C'est ce que tu prends d'habitude. Attends. Madame, fais vite noter dès que tu vois. Tu n'es plus la bienvenue ici. Je vais te payer. Fais vite et va-t'en. Jonas, calme-toi avec elle. Ok, c'est bon, Amadi. Mais qu'elle fasse vite. Qu'elle fasse vite. Oh Dieu, hein, que veut dire ceci, non? Aïe! Oh! Aïe, Jonathan idiot! C'est un grand idiot! Hein? Comment est-ce que cet idiot allait appeler la femme là, quand il sait que Igwe serait là? Hein? Hein? Et ça fait que j'ai acheté la tisane pour le paludisme et les maux de tête. Et le paludisme n'est pas mon problème. Hein? Le paludisme n'est pas mon problème. Oh. Hey. Hey. Je dois aller retrouver la femme là, avant que la maladie là ne me tue. Oh. Hey. Hey. Madame! Attends, madame! Qu'est-ce qu'il y a, non? Tu ne vas pas comprendre. Hein? Quoi? Ne te fâche pas, je vais te dire la vérité. Écoute, au fait, je n'ai pas besoin de ceci. Je n'ai pas besoin de la tisane pour les maux de tête et le paludisme. Est-ce qu'il me faut la tisane pour les infections? Je viens de contracter une maladie mortelle comme ça. Je te dis, ça me... Ça te fait comment? Ah, c'est sérieux. Ce que ça me... La façon dont ça me démange vraiment. Écoute, j'enlève mon pantalon ici... Tu veux faire quoi? Si j'enlève mon pantalon ici, là, et si tu vois ce qu'il y a dedans... Si tu vois la plaie qui est là-bas, c'est grand. Je vais me démanger, je vais le gratter. Je vais la gratter. Oh, tu ne sais rien. Tu ne sais rien aussi. Tu sais comment ça me fait. C'est doux et c'est douloureux à la fois. T'inquiète, hein. Attends, je vais te dire. Attends. Attends, je te trouve une solution. Attends, tu dois le prendre 2 fois par jour. Matin, midi. Fais vite, Prends celle-ci, s'il te plaît. C'est amer. Donc c'est ce que je vais prendre pendant 3 jours. Ça va t'aider à guérir, non? Je veux qu'elle guérisse, s'il te plaît. Mais c'est amer. Mais comme ça, c'est bien. Ça va t'aider à guérir vite. Mon Dieu.
un le matin, un le soir. Oh. Ok. Le matin et le soir. Oui. D'accord. Maintenant, c'est combien? 1000 naira. 1000? Qu'est-ce qu'il y a même? C'est trop, non? C'est quoi? 1000 naira. Mira, c'est trop. Ça, c'est pour ton traitement, non? Mon frère. Un bouchon matin, un bouchon soir. Pendant 3 jours. Et tu seras guéri. Il faut bien bouger, oh. Attends, un verre le matin, un verre le soir. Tu le prendras matin, un autre soir. Il faut bien mélanger ça, oh. Ok, qu'est-ce que je vais mettre dedans le matin et boire, et mettre dedans le soir et boire encore? Je n'ai pas dit les selles, oh. Un gobelet. Verre. Un verre. Un verre. Okay. Des gobelets comme tu... Ah, c'est ce que tu appelles comme ça. Ah, le petit verre. Le petit verre, le verre là qui est trop petit. Petit, c'est ce qu'on utilise. Le petit verre. Lentement. L'argent que je t'avais donné pour la malaria. Oui, l'argent là, c'est ça. N'oublie pas, prends ça pour la ça. La quantité, c'est un verre, hein. Qui est-ce? Que le tonnerre te frappe là-bas, idiot. Que le tonnerre te frappe aussi, idiot. Je t'ai pas dit ça. Contrôle ta manière de me parler dans ce palais, hein? J'ai risqué de m'en prendre à toi sérieusement. Il ne faut pas me parler de n'importe quelle façon, hein. Ne t'ai-je pas dit? Ose. Ose seulement. Idiot. N'importe quoi. Regarde-moi ça là. Amadi? Il a quoi? Qu'est-ce que tu viens d'acheter? C'est rien. Je n'ai rien acheté. Mais Amadi? Ouais. Qu'est-ce que tu viens d'acheter? Rien. Amadi, ne me mens pas. Qui est en train de te mentir? Hein? N'est-ce pas une boisson traditionnelle que tu as dans ta main là? C'est quoi ça? Non, viens boire, non. Long gosse imbécile. Idiot. Viens boire. Amadi, moi, imbécile. Hein? Pas de problème. Je vais aussi m'en acheter. Et on verra combien tu viendras me supplier. Que Dieu punisse ta bouche. Qu'il punisse d'abord la tienne. Il t'a d'ailleurs déjà puni. Regarde comment tu marches. Tu ne vois pas comment tu es en train de tirer tes jambes. Regarde comment tu les tires. D'ici là, tu en feras autant pour tes bras. Je ne te blâme pas. Amadi, s'il te plaît, même un gorgé. Hey, Amadi, moi, je te connais très bien, oh. Amadi, tu as changé. Je suis à boire très amer, très amer. Aïe! Je pensais même que, une fois que je la prends, cette démangeaison allait arrêter, oh. Aïe. Amadi. Oudjou. Amadi. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi cette question? Je venais de voir là-bas en train de boire et tu as vite couru ici pour te gratter. Ok. C'est du thé chinois. Ce thé chinois raffiné. Tu veux dire quoi par là? Hein? Ça sert à quoi alors? Oh, c'est pour le cerveau. Le cerveau. Pour le cerveau? Le cerveau. Qu'est-ce que ça fait alors sur le cerveau? Ça rend le cerveau très, très actif tout le temps. Vrai ça? Tu sais quoi? Quand tu bois ça, ça va dans ton cerveau et travaille bien là-bas. C'est quoi? Comme c'est le cas, j'aimerais aussi le boire. Non, non, ce n'est pas pour les femmes, c'est pour les hommes. Donc tu ne peux pas l'apprendre, non. Ça veut dire que ton cerveau ne fonctionne pas très bien. Fonctionne mal, comment? Fonctionner mal? Non. Je veux seulement qu'il soit bien actif. Qu'il soit bien, bien actif. Alors, je pensais que c'était à bout. À bout comment? C'est qu'on vient vous vendre pour être un peu plus fort. Non, celui-ci n'est pas amer. Ce n'est pas amer, c'est du thé. C'est du thé chinois. Le thé chinois n'est pas amer. Donc, ce n'est pas à bout. Amadi, je connais Abou.
C'est Abou que tu étais en train de boire. Ce n'est pas Abou, non. C'était Abou, j'allais serrer le visage. Regarde, très doux. Ah, si c'était Abou, ah, mon visage allait être comme celui d'une chimpanzé. Très serré, mais ce n'est pas Abou. Oh, ok. Il n'y a pas de problème, c'est bon. N'importe quoi, tu veux m'attraper. Idiote. Quel Abou. N'importe quoi. Je peux pas aller voir le prince dans cet état. Non. Non, je ne peux pas aller voir le prince dans cet état. Je dois aller voir un médecin. Je dois d'abord trouver la solution pour ça. Je dois m'en débarrasser. Non. Bonjour père. Bonjour fils. Je savais que tu étais malade. Ce n'est rien de grave père, je vais bien. Mais les médicaments sont assez. Pour quelle raison? Je dis ce n'est rien de grave. Je vais bien, je ne suis pas un bébé. Si tu le dis, nous devons parler. Nous devons parler? Oui. J'espère que ce n'est pas à propos de Jenny. Si c'est à propos de Jenny, je ne suis pas d'humeur. Je ne veux pas parler de cette fille. Mon fils. Père, je dis, je ne suis pas d'humeur pour parler de Jenny. S'il te plaît, j'ai besoin d'être seul en ce moment. Ok. Oh, Ochu, pourquoi tu ne portes pas ton uniforme du palais? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que je sors. Tu sors? Et où est-ce que tu vas? Est-ce que si je lui ai de te répondre? Ah, Ochu, tu ne m'as rien dit. Je demande où est-ce que tu vas? Ça te concerne en quoi? Hein? En quoi ça te concerne? Toutefois, je pars rendre visite à ma famille. On m'a appelé, alors je dois partir. Attends. Ojo, je ne sais pas pourquoi mon esprit me dit que tu me mens. Hein? Quel genre de famille t'appelle comme ça pour te dire de venir sans pour autant nous alerter, hein? Ojo, dis la vérité, où est-ce que tu vas? Ojo, on sait quoi avec toi? Que veux-tu dire? Mon ami, je ne veux pas te dire. Parce que ce n'est pas moi qui t'ai mise à la porte pour surveiller les gens. M'as-tu entendu? Ton travail ici est de voir qui entre et qui sort. C'est fini. Pas me poser des questions bêtes. Laisse-moi tranquille. Hein? Ojo? Ok, vas-y, non? Ukunaka vunvu. Anyalele vunvu. On verra. Tu es parti, hein? Pas de problème. Arrête à la nam. On a fait la convue et voulu à la wao. Ah, maman, pas une choc en moi. S'il te plaît. Bienvenue chez Dibia. S'il te plaît. Le prince ne me laisse pas m'approcher de lui. Et cette huile que tu m'as donnée pour appliquer dans mes parties a commencé à me piquer.
Oui, s'il te plaît, je ne sais pas quoi faire. Donc, que veux-tu que je fasse pour toi? Oui, Dibia, avant tout, je veux que cette huile que j'ai appliquée dans mes parties arrête de me piquer. Et ensuite, je suis en train de perdre le prince. Je suis en train de perdre le prince. Si jamais le prince m'abandonne, je vais en mourir. Et il y a toutes mes amies qui vont se moquer de moi. Elles vont rire de moi. Pitié. Aide-moi, fais quelque chose. Je n'aime pas gaspiller mon temps. Que veux-tu que je fasse pour toi? Les deux. Arlagwaye. Arlagwaye. Choisis. Laisse-moi travailler. Ok, ok. Je veux que cette huile arrête de me piquer. S'il te plaît, c'est embarrassant. C'est très embarrassant. Je t'en prie, aide-moi. Ojara Gloria. Ojara Gloria. Ebruche Bruma, comme un cocon bang bang chao. Va par ici. Écarte tes jambes. Encore un peu. Soulève un peu ce pied. Garde ça comme ça. Faut pas gratter ça maintenant. Mais il faut... Retiens-toi un peu. Les dieux regardent. Odiara Gwara, j'espère que vous voyez via mes yeux. Ils m'ont demandé de te dire que tu es censé appliquer cette huile avant de faire l'amour au prince. Mais tu l'as appliquée sans faire l'amour. Rien n'est entré dans cet endroit. C'est pourquoi l'huile fait son effet toute seule. Ce n'est que le début. La première étape, c'est juste une simple démangeaison. La deuxième étape, ça va commencer par se gonfler. Mboumbou, tu connais Mboumbou, non? La troisième étape, ce sont des chenilles qui vont commencer par sortir de là comme pagaille. La dernière étape, peut-être tu seras en train de manipuler ton téléphone et puis tu vas écouter. Boy! Et c'est la fin. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi? Parce que cette huile a un grand pouvoir toute seule. Et le fait que tu l'as appliquée dans cet endroit. Cet endroit que je vois là, ça ne veut pas s'arrêter. Jusqu'à ce qu'il réalise ses rêves et devient une superstar là-bas. Il faut, Béré, il faut. Ouais, s'il te plaît, qu'est-ce que je vais faire? Pitié, dis-moi ce que je peux faire. Il n'y a qu'une seule solution. Qui consiste? Hey! C'est juste une simple chanson que nous chantons pour eux afin qu'ils nous écoutent bien. Dans le monde spirituel, ils ont aussi Jéhovah. Ils me disent quelque chose, mais je ne suis pas d'accord. Ils me supplient. Ce n'est pas ce que je veux. À chaque fois que tu entends, ça veut dire que les esprits sont en réunion. Je ne veux pas ça, hein. Je ne veux pas ça. Vous savez que je suis ici pour vous servir. Tu es sûr de vouloir faire ça? Oui, oui. C'est ce que je veux. Ojara Gwara me demande de te dire. Oh, c'est gentil, c'est gentil. Je ne veux. Je ferai tout. Je ferai n'importe quoi. Oui. S'il te plaît. Je t'en prie. Je ferai n'importe quoi. Dis-le. Ojara Gwara me demande de te dire que je dois coucher avec toi durant 3 bonnes nuits. Bien appliqué. Si je le fais, je ne suis pas censé arrêter jusqu'à ce que je vienne. Avant que la puissance de ma virilité puisse éteindre ce feu à l'intérieur là-bas. Qu'est-ce que tu viens de dire là? Qu'est-ce qu'ils viennent de dire et non moi? Très bien, qu'est-ce qu'ils viennent de dire? Que moi, Jenny, je devrais coucher avec toi pendant 3 nuits? Toi, un espèce de sale féticheur,
Toi, moi, Jenny, coucher avec toi, tu n'es pas sérieux. Tu ne les as pas bien entendus. Odiara Gori, je sais que je suis votre apprenti. Je dis apprenti. Je suis votre... Oyenekpereke. Mais permettez-moi de crier sur vous. Je vous ai dit que je ne ferai pas ça. Regarde ce que... À quoi moi... Si ce n'est pas pour une raison, je vais étrangler... Que je vous laisse. Que je vous laisse parce que vous avez perdu vos parents. Non. À quoi, chérie? Je ne travaille plus. Je vais fermer mon bureau. Pourquoi? Je suis sale. Je ne fais plus. Vas-y avec ta maladie. C'est fini, je ne fais plus. Non. S'il te plaît, je suis prête. Je peux le faire. Je suis prête à le faire. Je suis prête à faire ce que tu veux. Je t'en prie. Oui. Je suis prête à faire... Moi, je ne suis pas prêt. Non, je t'en prie, je t'en supplie. Je suis prête à passer 3 nuits pleines avec toi. Je t'en supplie. Je ne peux pas... Mon lit est petit. Je veux rester. Je peux le faire, oui. Je t'en prie. Je veux rester, s'il te plaît. Oui, oui, oui. C'est quelle démangeaison, mémé, tu fais un ouin et ouin comme ça. Arwa bayo keno kese kerowa. Ah ye, amotai ben se kenowa. Ah. Il me demande de te dire que tu dois ajouter une nuit supplémentaire pour avoir crié sur eux. Il n'y a pas de problème. Je vais rester. Je vais rester. Pas de problème. Va et reviens dans la soirée. Comme ça. Une fois que je ferme, je t'emmène chez moi à la maison. Ok, c'est bien. C'est... Oh. Merci. Tu es un homme bien. Tu es un homme bien. Tu ne le savais pas avant, bien. Ou bien quoi? Je reviendrai. Hein, quand tu arrives le soir, n'apporte aucune somme. Hein. Les esprits n'ont plus besoin de ça. Entendu. Ojara Korea. Ebubeji Giligweo. Ebubeji Emeat. Certainement que cette fille était venue voir Baba. Je l'avais dit. Donc, c'est ici qu'elle vient prendre son pouvoir qui fait que le roi soit fan d'elle. Ok, et maintenant, elle veut que le prince l'épouse. Tu as échoué parce que le prince doit m'épouser. Les princes doivent m'épouser et non quelqu'un d'autre. Ok, nous allons voir. Homme sage. Oui, ma fille. Sur ma route, lorsque je venais ici, j'ai vu une fille. C'est la même fille que Igor avait choisie pour que son fils épouse. S'il te plaît, peux-tu me dire pourquoi est-ce que tu es venue ici? Parce que je sais bien qu'elle provenait d'ici. Madame la secrétaire. Secrétaire. Tu es la secrétaire de mon palais, de mon couvent. Très bientôt, tu commenceras à tenir un registre pour ceux pour qui je travaille. Vas-tu dire ce qui t'a amené ici ou veux-tu que je te cherche pardon, de mon couvent? Oh, raccord, mais... Non, pardon, je t'en prie, s'il te plaît, pardonne-moi. Désolé, oh. Homme sage, lui en question. Ok. Ça a marché, oh. C'est le travail que ça fait. Et en plus de cela, le prince est vraiment intéressé. Je te l'ai dit. Mais quelque chose est arrivé. Que s'est-il passé? Homme sage. Oui? J'ai des démangeaisons ici. Et ça me...
rentrer mal à l'aise. Es-tu sérieuse? As-tu fini l'huile que je t'ai donnée? Bien sûr que tout. C'est ça le problème. Non. J'ai pas tout fini. Ça reste un peu. C'est ça le problème. Tu vois ça? Tu es censé utiliser toute l'huile, l'appliquer là-bas. C'est-à-dire, tout finir. Hein? Hey, je ne savais pas, oh. Ce n'est que le début, hein. Ça, c'est rien. Ce n'est juste que la démangeaison. À la deuxième étape, tu le trouveras boum boum. Ça va commencer par se gonfler. À la troisième étape, les chenilles vont commencer par sortir. Hey. À la quatrième étape, tu seras là juste comme ça et tu vas écouter boum. Hey. L'explosion. Homme sage. Hein? Pardon, je t'en prie. Je ne veux pas qu'un mal m'arrive. Que pourrais-je faire alors? Le problème est qu'il n'y a pas de remède pour ça, hein. Ça n'a pas de remède. Toute personne qui a souffert de ça. C'est la mort, hein. Hey! Sinon, il n'y a aucun remède pour ça. Je n'ai qu'un mot. Homme sage. Qu'est-ce que je veux faire? Je ne peux pas dire ça. S'il te plaît. Attends. Aide-moi que attends. Je n'arrive pas. Oh, Jara, Gloria. Votre fille est de retour avec un autre souci. Ils disent, ce n'est pas moi qui le dis, que tu coucheras avec moi pour 3 jours et la démangeaison s'arrêtera. Sinon, égako. Et. Homme sage, juste faire l'amour avec toi. Juste pour 3 jours. Commençons immédiatement. Immédiatement? Je suis là. Ah bon? Oh. Hein? Tu approches mes dieux comme ça? Es-tu prête? Hein? Allons dans un endroit caché dans la brousse. Immédiatement. J'espère que personne ne va nous voir. Quoi? Qui va oser? La crainte de Ojara Agwara est le commencement de la sagesse. Allons. Allons-y alors. Allons-y. Par où comme ça? Va tout droit. Ok. Homme sage. J'arrive. Tu es douce, hein? Tu es douce. Juste ça, tout le monde est à l'aise. Il reste 2 jours. Demain et le lendemain. Une fois que tu auras terminé, tu sais, tout sera dégagé. Et tu seras guéri. Homme sage. Ça ne sera pas vraiment facile. Oui, c'est pas facile de quitter le palais et venir jusqu'ici, oh. Tu sais que je suis servante là-bas. Écoute, tu ne sais pas comment les esprits font le travail. Hein? Tout se fait dans l'ordre et sous condition. Si tu ne reviens pas demain, ce coup sera annulé. Hein? Et le mal va continuer. Tu as besoin de revenir et tout terminer. T'inquiète, oh. Je veux me rassurer de finir tous les 3 jours. C'est pour ton bien. Au revoir, oh. Bye bye. Hey! Avant de finir les 3 jours, j'aurais déjà pris ma part. Ojara Gueria, ça travaille. Hey, arrête là. Hey, d'où est-ce que tu viens? Qu'est-ce que tu as dit? Comme si tu m'as pas entendu. Tu m'as pas entendu. Où est-ce que tu étais parti? Eh ouais. Imbécile. Tu n'as pas de respect. Hein? C'est quel genre de question? Hein? C'est moi que tu frappes, n'est-ce pas? Ou tu sais pas toi qui m'a dit que tu as reçu un appel d'urgence? Que tu as reçu un appel de la famille, c'est la famille qui t'avait appelé. N'est-ce pas ce que tu as dit? N'est-ce pas? Alors comment se fait-il que ta maman est venue aujourd'hui, à ta recherche? Hein? Hein, comme quoi? Ma mère était ici. Ta mère était ici avec ton petit frère. Hein? Ils sont venus te demander de l'argent. Je lui ai même dit de prendre le téléphone et de t'appeler. Elle a dit qu'elle n'a pas de téléphone. Alors je me demande quel téléphone ont-ils utilisé pour t'appeler? Oudjou? Chai! Tu vois, toi, je t'ai bien dit. Tes mensonges, là, tu dois vraiment les réduire. Hey! Laisse-moi te dire, hein, le jeu de cache-cache n'est pas du tout bon. Si tu sais ce qui est mieux pour toi, tu ferais mieux de faire tes valises, car je vais raconter à Igwe tous les détails de ce qui s'est passé aujourd'hui. Oh, laisse-moi. Oh, je n'ai pas encore fini. Oh. Si. Calme-toi. Pourquoi tu cries comme ça? Jimocho. Jojo. Tu ne vois pas que ce que tu fais n'est pas bien.
Pourquoi tu fais ça, non? Hmm? Pourquoi tu fais ça? Je sais que tu aimes des bonnes choses. Qui n'aimerait pas les bonnes choses? J'aime les bonnes choses. Toi, tu n'aimes pas les bonnes choses? Je sais que tu m'aimes beaucoup. Ce n'est pas qu'aujourd'hui. Oh. T'inquiète, il n'y a pas de problème, mon cher. Toi, vraiment... T'inquiète, s'il te plaît, garde ce secret pour moi. En une condition, tu viendras garder mon propre secret. Tu viens, tu gardes le mien et je garde le tien. T'inquiète, je venais dans ta chambre cette nuit. C'est une promesse. Je te promets. Tu vas garder ta promesse. Bien sûr, mais s'il te plaît, ne le dis pas, Igwe, je t'en prie. Aussi longtemps que tu vas garder ta part, moi aussi je vais garder la mienne. Écoute, je ne vais même pas raconter à moi-même ce qui vient de se passer ici. Jojo. bébé. Sucré à la banane. Jojo. Pas de problème. C'est quoi encore avec ce gars? Qu'est-ce qu'il me veut encore? Qu'est-ce qu'il cherche encore avec moi? Docteur. Votre Majesté. Je ne comprends pas ce qui ne va pas avec moi. Comment vous vous sentez, Igwe? Je pense que j'ai... contracté... une IST. Mon truc... me fait des démangeaisons. Terriblement et à plusieurs reprises. Jusqu'à tel point que je perds les contrôles, grattant ainsi mes parties intimes. En public, juste imagine, tout un grand Igwe introduisant sa main à l'intérieur, grattant, grattant. En public. C'est terrible ça. Très terrible. Bon, Igwe... Je vais prélever votre sang et vos urines, maintenant. J'irai les examiner dans notre hôpital. Une fois que j'ai les résultats, je vais vous soumettre à un traitement immédiatement. Oui.
Ah. Tu vas où avec le seau? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne comprends pas. Je vais prendre mon bain, comme ça je peux m'en aller. Aller où? Est-ce que cet endroit est chaud? Est-ce que c'est ma maison? Je ne comprends pas. Tu vois pourquoi je n'aime pas traiter ce genre de trucs? Ces petits bobos familiaux. Je n'aime pas les soigner. Je soigne des gros soucis. Tu vois, toi que j'essaie de sauver la vie, tu veux partir. Tu as encore 2 jours à passer. Et maintenant, tu te prépares pour rentrer chez toi. Oh, je ne peux pas partir et rentrer le soir. Pour quelle raison? Où est-ce qu'on fait ça? Hein? Tu ne sais pas que les chrétiens disent que... Ce qui veut dire quand tu cours et tu es fatigué, le diable va te retourner en arrière. Tu n'es pas censé rencontrer un autre homme en dehors de moi durant 3 jours. Est-ce que tu sais ce qui se trouve là-bas? Je dois nettoyer là-bas, mettre des choses nécessaires dedans qui vont purifier ton jambonné. Hein? J'ai du travail à faire là-bas. Durant 3 jours, tu ne dois plus aller voir un autre homme. Sinon, tu ne seras pas guéri. Hein? Tu dois rester chez moi ici durant 3 jours. Afin que les choses que j'applique là-bas puissent bien fonctionner et guérir ton aura poen. Dans quoi je me suis... Mais ma soeur, tu n'as pas à t'inquiéter. Ce n'est que le début. Quand on avance un peu, tu vas aimer ça. Hein? Si j'avais su ça. Écoute, ce que tu ne comprends pas, c'est que c'est mon devoir d'être assuré que tout ton jambana est rendu propre. Donc à chaque fois que je te pénètre, ce que tu es censé me dire est merci et non. C'est merci. C'est merci parce que je sais ce que je verse dedans. On doit retourner à l'intérieur. Hein? On doit recommencer. C'est ce que les dieux ont dit. Ce n'est pas moi. Obrameniku. Allez. Allons-y. Lève-toi. Allez, viens, entre. Entre et je te suis. Mais... S'arrête pas de me gratter, non? Tu ne sais pas que nous sommes au premier jour. Quand tu commences le traitement, quand tu prends le paracétamol, ça doit te déclencher la malaria et la fièvre typhoïde. Donc c'est le premier traitement. Avant 3 jours, nous allons commencer à jeter d'autres jours. 3 jours, si ça ne marche pas, 6 jours, 9 jours, la limite est 1 mois. Tu es chez un docteur ici. Autant y a Ho'oponoko. Pardon, reste de l'autre côté et place bien l'oreille sous ta tête. Le travail doit commencer. Oh. Tu insultes les dieux ou comment? Ha. Thank you.
Ah, docteur. Oh, mon prince, bonjour. Que fais-tu dans le palais? Je t'ai venu donner quelques médicaments à votre père. Tu es venu donner des médicaments à mon père? Tu me dis que mon père est malade et je ne suis pas au courant? Ça, je ne sais le dire. D'accord, et j'espère qu'il répond au traitement. Oui, il s'améliore. Merci. Je dois partir. Le vin est frais ici, le vin est frais. Amadi, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu fous ici? Ouais. Il y a quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par quel est ton problème? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui te concerne? Tu es malade? Depuis quand cet endroit est devenu ton poste de travail? Tu as oublié ton poste de travail? En quoi cela est ton problème? En quoi cela est ton problème maintenant? Non. Est-ce que quelqu'un ne peut pas venir ici pour recevoir les frais dans ce palais? Quel est ton problème? Qu'est-ce que tu veux juste? Amadi, j'ai tous les droits de te poser les questions que je veux dans ce palais parce que je suis le commandant en chef de toutes les forces du portail. Le dernier rempart, si tu ne sais pas. Que Dieu te punisse. Qui te punisse toi-même. Que Dieu punisse. Qui te punisse mille fois. J'ai le plein droit de te poser les questions. Et au lieu de me répondre, tu t'entends. C'est quoi ton problème? Que Dieu me punisse moi. Tu me parles comme ça? Tu ne sais pas que je m'adresse à toi. Je vais te tuer. Tu es qui? Je vais te dire que tu es le commandant en chef parce que tu portes le vert. Exact. Tu portes du pantalon, du blanc. Je ne sais pas que ta vie est dans ma main. Je tire la cravate là, tu vas mourir. Oh, si tu oses, je vais te tuer. Écoute, laisse-moi te dire. C'est ce que tu dis que tu es le commandant en chef, tu es ceci et tu es cela. Regarde, je suis le garde en chef de ce palais. J'ai le droit de recevoir les frais n'importe où. Je peux décider d'aller me coucher sur la voiture là et recevoir l'air frais. Je peux décider d'aller dans ce jardin. Hey, mon Dieu. Hey, regarde, ta chambre là qui sent comme ça. Je peux même venir là-bas et recevoir l'air frais. Tu ne peux pas me stopper. Je suis un sort de tout. Tu ne sais pas toi, idiot. Pas de problème. Tu veux rester ici, n'est-ce pas? Amadi. Quel est ton problème? Amadi. Quel est ton problème, Jonas? Qu'est-ce que tu as? Père, idiot. Imbécile. Reste ici, dors même ici. Ne sors pas. Imbécile. Non, reste, non. Viens rester. Rassure-toi de bien t'étaler ici. Oh. Va prendre ta natte et viens dormir. Tu dis quoi? C'est moi? C'est moi que tu parles comme ça? Tu sais pas ce que je traverse? Que je punisse ta génération. Idiot. Ah bon, Jenny. Imbécile. Ah, que je vienne. Ah, Oda. Oh, demain, oh. Non, voilà. Ah, bon, Deli. Ah, boy, bah. Hey, madame. Ah, bon, hey, arrête là-bas, arrête là, arrête-toi. Arrête-toi. Ah, ah.
Dieu malade. Ah. Hey, donne-moi mon argent. Donne-moi ça. Hey. Hey. Qui est ton client? Dis, tu appelles qui ton client? Tu es malade? Tu es malade? Que je te punisse là-bas, idiot. Aujourd'hui, tu vas me remettre l'argent là que je t'ai donné. L'argent que je t'avais donné aujourd'hui, tu vas me le remettre. Tu vas me le remettre aujourd'hui. Tu penses que tu vas me jouer? Tu penses que je suis un enfant et tu vas me jouer? Tu vas me jouer? C'est quoi? Mais tu ne fais pas que je te punisse. Tu poses un cas la question, tu ne vois pas. Ça ne me dérange plus. Ça ne me dérange plus. Tu ne vois pas, idiot. Donne-moi l'argent. Donne-moi l'argent. Sinon, je vais te tuer ici. Je vais te tuer ici si tu ne me donnes pas l'argent. Allez, lentement. Tu me dis de faire doucement. Tu es malade. Tu vas te cogner maintenant. Tu es malade. Et tu allais prendre, puiser l'eau de la rivière et que tu as mélangé avec n'importe quoi comme que c'est de la tisane et que je boive. Mais non, la chose s'est aggravée. Ne dis pas comme ça, oh. Je sais bien les médicaments. Mon client, réfléchis encore un peu bien. Hein? C'est la personne avec qui tu avais couché avant. J'espère que tu n'es pas encore retourné coucher avec elle. Que je te punisse, et c'est le tonnerre qui va frapper la bouche là qui ferait qu'il dit des bêtises. Tu es malade. La personne qui m'a donné ça, c'est une achao, c'est une prostituée. Et tu as la queue que je te punisse, et c'est une achao appelée Amaka. C'est elle qui m'a donné cette infection. Et si je descends mon pantalon, si tu vois la plaie qui est là-bas, la plaie c'est comme une tennis. Et tu m'as donné la médecine. La tisane que tu m'as donnée là-bas, ça a augmenté. Ok, Adja. Mon client, moi je sais que le numéro que je t'avais donné, ça a toujours marché. Je sais que ça marche toujours. Tu vois, d'abord, je dois savoir, quand je t'avais donné ces médicaments, quand tu avais pris, est-ce que tu n'étais pas allé coucher avec une autre femme? Ce n'est pas si haut, c'est important. C'est que le tonneau te frappe là-bas. Toi, depuis que tu m'as donné la tisane, là, je... T'attrape. Désolé. Tu m'as fait peur. Désolé. Désolé. Laisse-moi, c'est quoi? Donc, qu'est-ce que tu faisais, non? Je suis derrière toi depuis et je t'observais. C'est vrai? Je te dis. Alors, qu'est-ce que tu faisais? Mon sous-vêtement, tu vois le string, de fois ça entre le fesse. Yeah, c'est tout ton temps que tu dois tirer pour que ça sorte. Ok, laisse-moi voir. Juste fais semblant. Courbe-toi un peu comme ça et je vais envoyer mon doigt là-bas pour voir. Quitte-la. Voir quoi? Le caleçon, non, je vais t'aider à sortir ça et tu fais n'importe quoi, idiote. C'est quoi ça? Te laisser voir? Laisse-moi voir, non. Hein? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Waka. Oh! Idiote! Je veux voir le caleçon pour voir comment c'est serré, puis je vais t'aider à sortir ça. Ma Dieu! Rien. Maintenant, tu veux partir. Vas-y. Mon Dieu, Oudjou. Tu ne veux plus m'acheter. Que de plus, idiote. Tu m'as acheté, mais tu vas t'acheter quoi? Va-t'en d'ici. Achetez quoi, idiote? Idiote. Mon Dieu, Oudjou. Le tonnerre va frapper, Oudjou. Oudjou. Thank you.
ai marre. J'en ai marre de cet endroit isolé. Je veux rentrer chez moi. Je veux rentrer chez moi. Tu vois ta bouche? Regarde comment tu parles comme une orpheline. Allez, dans quelle maison? Ne sais-tu pas qu'il te reste encore une nuit de plus? Et qu'est-ce que tu manges? Komi. Et c'est quoi le komi? On a des malonko, agneau coré, bagabo, watari goro kwatin. On en a fait fort à gaffe. Avec ceci, je te jure, quand ça rentre dedans, ça touche tous les endroits qui sont endommagés. Donc avec ça, je vais faire un travail merveilleux. Va. Mais normalement, avec ton cerveau, tu devrais savoir que c'est ce dont j'ai besoin pour avoir la force afin de bien faire le travail spirituel que je fais sur toi. Hein? Tu es censé m'acheter ça et non me poser des questions. Tu ne sais pas? Écoute, tu sais très bien que nous n'avons pas de voisin ici. Si je finis de prendre ça maintenant et je monte sur toi, tu vas écouter quelque chose du genre... Et quand je vais venir, ça serait plus rapide. Tu n'es pas sérieux. Va. Laisse-moi finir ça d'abord. Aujourd'hui, tu ne pars pas. Donc, je ne dois plus aller au bureau? Je pensais qu'aujourd'hui, tu allais partir. Donc, tu penses que tu es la seule qui est malade, qui souffre de ce mal? Tu ne sais pas que j'ai d'autres clients qui ont de gros soucis que ceux dont toi tu souffres là. Hein? Pour toi, là, c'est petit. Va. Va me chercher de l'eau. Je viendrai me doucher après. Écoute, fais attention à comment tu me parles. Attention à comment tu me parles, oh. Je ne suis pas ta femme. Encore moins ton esclave. Si je suis venue chez toi pour recevoir des bains spirituels, ne fais pas de moi ton esclave, tu m'entends? J'ai dit, je ne suis pas ton esclave. Je répète, je ne suis pas ton esclave. Aïe, hey, bébé, rappelle-moi, je te fais le traitement de quelle maladie même? C'est de la folie ou encore? Peu importe. Hein? J'essaie même de t'aider. Et tu as la bouche pour m'insulter. Tu vois cette nuit restante? Cette nuit, je ne te grimperai plus. Hé, hey, regardez-le. Je ne veux pas. N'essaye pas de me retenir. Tu vois ce mélange qui me donnera de l'énergie? Je ne vais plus le prendre. Tu retourneras avec ton problème. Ah, je plaisantais. Tu aussi, tu n'aimes pas les blagues. Tu sais quoi? Ne te dérange pas. Je vais t'aider. Je t'aide. Mais attends. Il faut que je goûte ça d'abord, non? C'est doux, hein? Oh, je te dis, c'est trop doux. Ça, c'est vraiment spécial. Cette fois-ci, ça va être trop doux, quoi. C'est le dernier virage. Oui. Ah, toi, va à l'intérieur. Laisse-moi prendre ça et je te rejoins. Cette fois-ci, ce n'est pas grave. Je vais t'attendre. Je te rejoins tout de suite. Bon, j'entre. Je t'attendrai. Homme sage, je suis vraiment en train de souffrir. Je suis impatient de me libérer de ces trucs qui me dérangent. Pardon. Ma fille, tu dois repartir et revenir demain. Le travail d'aujourd'hui est reporté sur demain. Hein? C'est ce que les dieux ont dit. Hein? Non. Mbano. Homme sage, non. Sais-tu ce que j'ai sacrifié pour être ici pendant ces 3 jours? Non. Je ne peux pas venir demain. Hein? Je travaille au palais, je ne peux pas perdre mon boulot. S'il te plaît, allons finir ce qu'on a commencé. Tu ne peux pas comprendre. Ma fille, l'esprit a vraiment envie. Mais la chair est fatiguée. Marukambo anuara daomba. Omsa, s'il te plaît, ne dis pas ça. Je t'en prie, pardon. Je ne peux pas être ici demain. Hein? Et je ne peux pas perdre ces 2 jours. Allons terminer cette chose. Écoute, il faut que je sois clair. Hein?
Il n'y a plus d'énergie dans le corps de cet homme. Mandukambo. Oh, sage, non. Non, l'esprit va se fortifier. T'inquiète, allons d'abord terminer. Le fils de l'homme est fatigué. Non, on finit parce que c'est toi qui l'avais causé. C'est toi qui l'as cherché. Allons-y. Allons terminer ça. Allons-y. Oh, ma fille. Ce n'est pas facile, hein. Jésus. Amador. J'ai oublié quelque chose, hein. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas toi qui as causé ça. Tu me pousses toujours. Va. J'ai oublié quelque chose. Ok, qu'est-ce que tu as oublié? Mon Kwadja. Avons-nous besoin de ça? Bien sûr. Tu ne sais pas que c'est là où notre Odogu tire de l'énergie pour bien fonctionner? Hein? Ça veut dire que tu l'avais oublié tout ce temps ici. Parce que tu n'as jamais emmené ça ici, oh. C'est ce que tu me dis. Je deviens un animal. Te dévorer. Hein? Tu ne sais pas que nous sommes au dernier jour. C'est aujourd'hui que je suis censé l'utiliser pour toi. Hein? Chaque jour apporte sa contribution pour la purification. Donc, c'est aujourd'hui que je dois utiliser ce Mbadja pour toi. Ok, c'est bon. Ça se trouve où alors? Ça y est, dans le couvent, non? Donc, tu dois m'attendre ici. D'ailleurs, va dans la brousse. Ou carrément, reste ici et concentre-toi. Laisse-moi aller chercher ça. Ne peux pas traîner ici, oh. Non. Je dois rentrer au palais maintenant. J'arrive. Ça, je ne traîne pas, oh. C'est énorme. Je n'arrive pas à le supporter, oh. Je n'arrive plus. Moto, pardon. Carrefour. Ok, monte. Hey, ne va pas. Cet homme n'est pas ici. N'est-ce pas qu'il m'a dit? C'est comme si cet homme a pris fuite. Parce que ça fait longtemps qu'il est parti. Je dois d'abord vérifier s'il est là. Causer comme problème. Qu'est-ce que c'est? Qu'ai-je fait à moi-même? Hey! Cet homme m'a eu. Oh. Cet homme m'a eu. Il s'est joué de moi. Oh. Je suis foutue. Hey! Qu'est-ce que c'est ça? Hey! Ce monsieur s'est abusé de moi pour rien. Hey, tu mens. Mais c'est ça, je t'ai dit.
Mon frère, hein? Comment ça va, non? Comment évolue ton business? Dis-moi un peu. Ne parle pas beaucoup. C'est très lucratif. Hein? Hé! Hey, écoute, les gens ont des problèmes chaque jour et ils cherchent toujours des solutions. Donc, tout ce que tu leur dis, ils considèrent ça immédiatement. Sérieusement? De quoi parles-tu? Même le terrain sur lequel j'ai instauré mon couvent. Le propriétaire ne m'a jamais approché pour me demander c'est comment, de l'argent. Hein? Les gens ne passent même plus par là. Hein? Ils ont peur de Dibia. Avec toutes les chèvres, les poules, les ignames qu'ils te donnent pour les sacrifices. Tu vois là où vont tes idées? Moi, je mangeais tout. Laisse-moi te dire, parfois je les vends au marché. Je ne mangeais pas tout. Ah, ces garçons, oui, ces garçons, ces garçons. Si ce n'est pas pour ma perte, je serais déjà riche. Riche? Comment ça riche? Je suis là dans mon coin. Oui. Deux filles sont venues, qu'elles ont besoin du charme pour charmer le prince, afin qu'il les épouse. L'huile comme d'habitude pour mettre là-bas. Elles sont revenues que l'huile leur donne de démangeaisons. Je leur ai donné la solution que je dois coucher avec chacune d'entre elles durant 3 jours. Quand je couche avec l'une le jour, je vais coucher avec l'autre la nuit. Donc quand je fais ça le jour, je vais faire ça dans la nuit. J'ai cogné le jour, j'ai cogné la nuit, j'ai failli mourir et j'ai fui. Hein? Mon pote, hein? Tu sais, j'aime ces business. Oh. De quoi parles-tu? C'est un bon business. Hey. Man, regarde. Je veux aussi faire ces business. Hein? Oui. Laisse-moi bien te regarder. Tu ne sais pas que je suis déjà dans des problèmes. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu veux seulement manger seul? Voilà, on va changer l'emplacement. Hein? Maintenant, on tu va, parles. On va changer l'emplacement. Ça, c'est pas un problème. Cette fois-ci, on va aller au fond d'Ikota Ogbele. Ou bien à Djibo. Franchement, tu es un mauvais garçon. Tu es un mauvais garçon, toi. Tu es vraiment très mauvais. Espérons bien que cet homme ne s'est pas enfui pour me laisser ici seule. Il a intérêt de revenir pour terminer ce qu'il a commencé. Je vais rester ici à l'attendre, je n'irai nulle part. Un instant. Si je veux aller à sa recherche, je vais commencer par où en pleine nuit comme ça dans cette brousse. Hein? Je vais commencer par où? Hey! Dis-moi. Je me suis foutue dans la merde. C'est encore quoi ce problème? Hein? Le vieux sage! Hey! Je ne sens même pas encore de changement. Il a intérêt à revenir par ici et trouver une solution parce que je ne peux plus continuer comme ça. Hey! 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 Qu'est-ce que je me suis causé comme problème? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Oh! Le prince n'a plus rien à faire avec moi. Il m'a vraiment vomi de tout cœur. Cet homme insensé. Cet homme stupide s'est joué de moi juste comme ça, juste pour rien. Il a bouffé mon argent. Il m'a aussi bouffé. Le pire encore est que cette chose me dérange énormément. Cette chose... Oh, bientôt! Viens, Oudjou! Ah, Oudjou! Arrête de le cacher! Arrête de le cacher! Hein, je sais ce qui se passe! Si je gratte le mien maintenant, tu vas entendre le bruit. Brrr, brrr, c'est comme ça! Hein, je sais ce qui se passe!
qu'est-ce que tu connais? Le hoko, c'est-à-dire l'infection. L'infection, quand ça te démange, tu la grattes, tu sens à la fois la douleur et la douceur. Et on l'appelle suiti. Je connais ça, non? Ah. De quoi parles-tu? Ce que je racontais que... Je connais tout, non? Je sais ce qui se passe. Je te dis la vérité. Je sais ce qui se passe. J'ai contacté l'infection auprès d'une idiote à Chao, une prostituée. Une idiote à Chao. Hein? Et je te l'ai donné. Je te l'ai donné. Et à ton tour, toi aussi, tu l'as donné au prince. Amadi. Hein? Tu m'as contaminé? De cette idiote à Chao. Amadi. Arrête! Hey! Je te l'ai donné. Tu m'as contaminé? Ce jour-là, c'était lourd sur moi, à tel point que si je n'ai pas fait, j'allais mourir. C'est toi qui me l'as donné. Amadi. Amadi. Ce n'est plus un secret, non. Je te l'ai donné et tu l'as aussi donné au prince. Le problème est que comment c'est arrivé à tout le monde dans le palais, c'est ce que je ne sais pas. Hein? Je te dis. Hey! Laisse-moi te dire. Écoute, même Igwe. Igwe aussi là. C'est pas vrai. Je te dis. Tous les serviteurs du palais, toutes les servantes du palais, ils l'ont tous. Ça, c'est sérieux. Au fait, laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Jonas le portier, lui aussi là. Je te dis la vérité. Hey. C'est très sérieux, je te dis, c'est très sérieux. Hey. Au fait, écoute. Ce que cela veut dire est que ce que nous pratiquons, dans ce palais, c'est ce qui appelle la contamination en biologie. Je te l'ai donné. Tu l'as donné au prince. Et le prince l'a aussi donné à Jenny. Jenny l'a donné à Igwe. Et Igwe l'a... La ferme. Ils vont nous entendre. Ah, regarde, ce n'est plus un secret. Je te dis... Ce n'est plus du secret. Sois libre et gratte librement. Hey! C'est doux. Donc c'est toi qui as vraiment tout caché. Je te dis, tout le monde là, donc vas-y et gratte. Vas-y et gratte. Parce que la personne de qui tu la caches, elle aussi te la cache. Vas-y. Écoute. Je vais vraiment me dire que c'est toi. C'est pas fameux. Amadi, c'est toi qui as fait tout ça? Tout le monde là dans le palais. Je te dis, ils l'ont tout. Vas-y, gratte. Vas-y. Hey. Donc cet homme est un imposteur. Donc cet homme s'est servi de moi pendant 2 jours entiers pour rien du tout. Hey. Il faut voir. Le prince doit me marier. Il doit vivre. Bon. Je peux pas autant souffrir pour rien du tout. Je peux pas durer cette souffrance pour rien du tout. Le prince va me marier. Prince, tu vas me marier. Agu, mon frère,
Qu'est-ce qu'il y a? Mon frère, il y a un problème. Problème? Hey, il y a un problème, problème. De quel problème parles-tu? Ah. Te rappelles-tu de ces deux filles dont je t'ai parlé, qu'elles sont venues dans mon couvent? Qu'elles ont besoin du charme pour charmer le prince? Et je leur ai donné de l'huile pour mettre dans le truc et ça commence pas à les démanger. Celle, ok. Ces filles-là avec qui tu as couché pendant... Hé, hey, je parle des deux là-haut. Je ne sais pas si l'effet de cette huile est revenu vers moi. Oh. Depuis là, je n'ai pas pu fermer mes yeux. Je ne fais que gratter ici durant toute la nuit. Jésus, hein? Hé, hey, Seigneur, le plus drôle c'est que plus tu le grattes, plus ça te brûle. Et bizarrement, quand tu continues, ça devient plus doux. Hein? Allô? Ceci n'est pas allô, hein? Ce n'est pas allô. Je ne sais pas quoi faire. Bon, écoute, mon pote, tu ferais mieux de pousser un peu là-bas. Je n'aimerais pas que tu puisses m'infecter avec ça. Je ne veux pas dormir, c'est ça? Est-ce que je sais? Hey. Est-ce que je sais? S'il te plaît, pousse là-bas. C'est quoi même ces bêtises, non? Hey! 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 Je suis rentré dedans. Mon pote, hmm? Ça n'a toujours pas fini. Mon frère, ça refuse de s'arrêter. Oh, ça continue toujours. Le problème est que cette fois-ci, ça s'aggrave. Non, 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 non. Tu ne peux pas continuer comme ça, non? On doit trouver une solution pour ça. Hey, Obi. Oui? Où est-ce que je vais trouver la solution? Hein? Hey. Ne t'inquiète pas, je connais une spiritualiste dans ce village. Elle a l'habitude de résoudre ce genre de problèmes. Une fois seulement, c'est fini. Je te promets, oh. Crois-moi. Hey, ce monde n'est pas juste. La vie est compliquée. Ce monde n'est pas juste. Oh. Le grand dit bien comme moi. Le grand dit bien comme moi. Cherche maintenant des solutions auprès des spiritualistes. Ce monde n'est pas juste. Oh. Tu vois comment je te regarde? Vois-tu comment je te regarde? Vas-tu fermer cette bouche-là et ne plus prononcer ce nom-là? On sait déjà que tu es un escroc. Écoute, écoute, écoute. Tu dois cacher ton visage et trouver une solution pour les bêtises qui sont en train de te déranger là. Mon visage est déjà sérieux. D'ailleurs, pourquoi je me dérange? Prends soin de toi, oh. Tu es seul. C'est quoi ton problème, non? Pourquoi marches-tu comme ça? Écoute, sais-tu où on est? Tout le monde est en train de te regarder. C'est quoi ton problème? Obi? Mmh? Obi? Mmh? S'il qu'est-ce te qu'il plaît, y a? Puis-je gratter ça un peu? Un peu. Gratter quoi? Écoute, si seulement tu oses te gratter, je vais te laisser sur celle et puis partir. Arrête tes bêtises là. Même si c'est juste un peu, laisse-moi. Vas-tu arrêter ça? Si seulement tu oses te gratter un peu, hein, je vais te laisser et puis rentrer. Je t'avertis, oh. Fais gaffe. Hey! C'est quel genre de problème comme ça? Ne peux-tu pas te retenir juste un peu? Ok. Retiens-toi, non? Ah, ah. D'accord.
Bientôt on arrive. C'est quoi? Allons-y. Oh, ok. Je suis un homme maintenant. Je suis un homme. Tu es un homme maintenant. Allons-y. Plus de grattage. C'est bien. Allons-y alors. L'endroit est encore loin. On arrive bientôt. Allons-y. Hey! Tu marches comme un canard, je ne sais pas si tu le remarques, c'est quand même ton problème. Obi, s'il te plaît, puis-je danser? Danser pour... Hey, ça ne s'arrête pas de me brûler, oh mon frère. C'est quel genre de problème comme ça? Retiens-toi un peu, on arrive bientôt. Allons-y, fais vite, non? Écoute, tout le monde ici est en train de te regarder, tu n'as même pas honte. Tu ressembles à un fou. Hey. Hey. Je suis un homme. Je sais que t'es un homme. Alors marche comme un homme. Bouge comme un homme. Allons-y. Y'a quoi? Je ne t'ai pas demandé de te tenir comme un homme, mais marche comme un homme. Allons-y. Allons-y, non? Hey! Tu as offensé les dieux de tes ancêtres. Tu l'as dit, Obi. Je t'avais dit. Je t'avais dit. Tu as emmené à la lumière ce qui était caché. Et ils sont fâchés contre toi. Ikuriyoku, tu l'as dit. Je t'aurais dit. Obi. Aïe. Oui, madame. Je dis, madame. Désolé, j'ai oublié. Demi dit bien. Ce que tu as dit, c'est vrai. Ça confirme que tu es une bonne... Onyoho, hein? Sérieusement, s'il te plaît, quelle est la voie de sortie? Je veux m'en sortir de ceci. S'il te plaît, aide-moi, s'il te plaît. Tu vas acheter un médicament. Hein? Okucha. Qui a beaucoup de puissance et qui guérit toutes sortes de maladies et des infections. Aïe. Nemo, je vais le boire ou le frotter? Tu vas le boire. Rappelle-moi de ça. Deux fois par jour. Et tous tes problèmes seront résolus. Combien de litres, madame? Combien de litres? Combien? J'ai 2000 sur moi. Calme-toi, non? Elle te dira. C'est quand même ton problème. Qu'est-ce qui ne va pas? S'il te plaît, dis-lui combien. Une bouteille à 25 000. Et tu dois acheter deux. Non. Non, non. Tu ne lui as pas dit. Lui dire quoi? Madame, je suis orphelin. Je n'ai pas de parents. Où est-ce que je vais trouver 25 000? Mais tu ne lui as pas parlé. Tu es en train de crier. Tu ne sais pas que tes problèmes sont plus grands que cet argent. Non, son argent dépasse mon problème. Ceci est une simple maladie. Maman, papa, dada, va guérir ça à 2000 lire. Ok, va te guérir, non? Va te guérir. Qu'est-ce qui ne va... C'est ta maladie. Calme-toi, non. Dis-moi ce que... Ne te fâche pas. C'est ta maladie. Madame, cette petite bouteille 25 000. Garde, je ne suis pas d'accord. J'attendais un tonneau et voilà, elle fait sortir cette petite bouteille et dit que c'est à 25 000. Ok, tu es fâché, non? C'est ce que tu as l'habitude de faire. Où cette femme m'attend de trouver le prix qu'elle fixe? Écoute, cette dame est tellement puissante. Les gens viennent de partout pour la voir et elle leur donne la solution. Et te voilà en train de dire que cet argent est beaucoup. Aïe. Es-tu sérieux? Mais l'argent qu'elle dit est beaucoup, non? L'argent est beaucoup par rapport à tes problèmes? Mais attends, tu m'avais dit que ton business marche bien et que tu es en train de te faire de l'argent. Mais je t'ai dit comment j'ai quitté cet endroit dans la précipitation pour sauver ma vie, hein? Hein? Alors, tu dois rentrer là-bas prendre l'argent pour te faire soigner? Je ne peux pas retourner là-bas. Tu ne peux pas rentrer là-bas. Pourquoi? Écoute, si ces femmes m'attrapent là-bas, elles vont me tuer. Elles ne laisseront plus rien sur moi. Hein? Il faut aller pour moi. Je dois partir à ta place. Tu iras prendre cet argent seul. Tu le manges seul, tu iras le prendre seul.
Je n'irai pas là-bas. Écoute, en ce moment, ces femmes seront là-bas avec l'armée et la police, avec Ensas, je dis Ensas, avec Atlas. Donc, tu dois y aller pour moi, s'il te plaît. Écoute, je ne peux pas partir là-bas. Hey. Tu iras prendre cet argent seul. Je t'ai dit, oh, regarde ta situation. Écoute, j'ai besoin de ton aide, s'il te plaît. Hey! Hey, essaie d'aider ton frère en besoin. Tu sais, quand tu arrives là-bas, l'endroit où j'ai caché cet argent, personne ne le verra jusqu'à ce que je l'explique pour toi. Mon ami, je ne peux pas aller là-bas. Va récupérer cet argent seul. C'est quoi même ton problème? Écoute, tu ferais mieux d'aller récupérer cet argent pour commencer les traitements de ces choses qui te dérangent. Oh. Ça risque de te tuer. Oh. Je t'ai dit. Oh. Mais qui te regarde comme ça là-bas? Tu penses que tu me trompes? Tu te trompes toi-même. Tu ferais mieux d'aller récupérer cet argent. Oh. Moi, je m'en vais. J'ai d'autres choses à faire. Apporte-moi manger ici. Je ne pense pas que je vais rentrer aujourd'hui. Hein. Thank you.
Si tu vois le cerveau que j'ai utilisé pour aller prendre cet argent, tu seras surpris. Maintenant, ça va, non? Tu as l'argent, tu peux aller la voir. Mais ne peut-on pas supplier cette femme de nous vendre juste une bouteille? Non, ne dis pas ça, n'ose même pas dire ça. Si seulement tu savais le pouvoir que détient cette femme, hein, tu n'allais même pas dire les bêtises que tu es en train de dire là. Juste va là-bas et remets-lui cet argent. Allons-y, pour que je lui donne l'argent. Non, je ne peux pas aller avec toi, je t'ai déjà montré la route. J'ai d'autres courses. Ok, pas de problème, je vais aller tout seul. Bien, bien, tu ferais mieux d'être rapide, ok? Madame, les voici, 50 000. S'il te plaît, ça c'est la sueur de mon front. Deux fois par jour, matin, soir, que tu as des démangeaisons, prends deux bouchons, ça va t'aider. Après quelques temps, plus rien ne va encore te déranger. Ok, deux verres le matin, deux verres la nuit. Et quand ça me gratte, il faut que je prenne ça. Que je prenne tout. Merci, madame. Que Dieu te bénisse. Cette maladie ne t'approchera pas. Au nom de Jésus. Il faut que je m'en aille. Bien, t'es où? Viens vite, je t'attends, viens. Regarde comment tu bouges la tête. Je prends 30 000 naira. Pourquoi? Pourquoi? Ce n'était pas mon plan. J'ai tout planifié, tout seul. Je t'ai contacté pour exécuter les plans que j'avais déjà. Et alors? Et si ça n'avait pas marché? On est là voir cet argent. Alors, qu'est-ce que suggères-tu? On a fait le travail ensemble. On va partager cet argent de façon équitable. On aura 50-50. C'est ce que tu dis? Ok, bien, pas de problème. Je vais partager l'argent. Mais la prochaine fois, je ne vais plus t'appeler pour ce genre de business. Ne m'appelle pas. Je ne suis même pas intéressé. Ne m'appelle pas. Partage l'argent. Ok, tiens ça d'abord. Thank you.
Mais pourquoi cet homme dort comme ça? Mon ami. Mon ami. Allez, lève-toi et prends tes médicaments. Ah! Quoi? Agou! Et mon Dieu, cet homme est mort. Allô? Allô? Allô, écoute-moi. Tu dois venir ici immédiatement. Il y a un grand problème. Un très grand problème. S'il te plaît, viens ici vite. S'il te plaît, vite. Hey, hey. Dans quoi je me suis foutu, oh mon Dieu. Hey, Dieu. Hey. Agou. Agou. Vas-y, je t'écoute. Je croyais qu'on avait un accord. Que nous avions un deal. Qu'est-ce qui se passe ici au juste? Je pense avoir effectué ma part du contrat. Non, t'as pas osé faire ça, Igwe. J'ai fait exactement ce que nous nous étions mis d'accord de faire. Mais ton comportement, ton mauvais comportement, a tout gâché. Igwe, donc qu'est-ce que tu essayes de Alors, dire? Alors ne me blâme pas. Qu'est-ce que tu essayes de dire maintenant? Oh, qu'est-ce d'autre veux-tu que je dise? Hein? Donc comme tu n'as rien à dire, la seule option qui me reste, c'est d'aller dire à ton fils, ainsi qu'à tous les villageois, ce qui se passe entre toi et moi.
Cette même raison pour laquelle tu as fait tuer la reine qui savait pour nous deux. Salut, père. Mon fils. Oui. Je l'ai déjà découvert moi-même. Père, tu es une honte pour la famille royale. Tu m'as déçu. Comment pourrais-tu? Tu veux que j'épouse la fille avec laquelle tu couches? La même raison pour laquelle ma mère, la reine, est morte? Crois-moi, tu dois te préparer à répondre devant la justice. Et pour toi, la matérialiste, le jeu est terminé. Tu peux aller essayer ailleurs. Mais assure-toi d'avoir traité ton MST. J'en ai fini. Mon prince, mon fils. Ne m'appelle pas ton fils. Je ne suis pas ton fils. Comment pourrais-tu? Tu veux que j'épouse la fille avec qui tu couches? C'est la cause de qui tu as tué ma mère? Comment pourrais-tu? J'ai envie de te frapper même. Je ne te pardonnerai jamais. Mon prince... Si tu ne quittes pas cet endroit maintenant, je t'enverrai la sécurité. Igwe, ce n'est pas encore fini. Allez, sors! J'ai dit sors! Ce n'est pas encore fini. Allez, va-t'en!
Mon prince, mon prince. Qu'est-ce qu'il y a? Moi. Vous partez? Aucun problème. Vous me quittez? Écoute, va traiter cette maladie embarrassante avec laquelle tu traînes. Ouais, dépêche-toi, mon ami. Désolé. Va traiter cette maladie embarrassante que tu distribues. Inacho Neo. Hey, va-t'en d'ici, idiote. Maintenant, qu'est-ce que je gagnais à la fin de toutes choses? J'ai perdu ma fierté. J'ai perdu ma dignité. J'ai perdu l'argent. J'ai perdu tout de moi. Oui, je voulais bien avoir le prince. Désolé. Tu peux me gérer.